Patrick Lapointe, bienvenue, entraîneur des Piranhas de l'ETS dans la peut-être ligue, en tout cas on l'espère, universitaire, division 2. Un grand intérêt là, en fin de semaine pour recruter des joueurs, j'imagine. Oui, mais regarde, c'est sûr qu'on est ici là, pour rencontrer là, pas mal tous les ben, on veut rencontrer tous les joueurs qui sont admissibles à venir à notre université là, dans le génie, qu'ils soient première année, deuxième année ou troisième année. On veut quand même donner l'espoir qu'il y a quelque chose après, que ça se termine pas après le collégial. Oui, la nouvelle ligue va être. On va avoir des bonnes nouvelles, d'après moi, annoncées prochainement là, que la nouvelle ligue elle va prendre l'expansion. Et il est reconnu là, depuis déjà quelques années que le hockey est un sport à développement tardif, donc que les belles années sont dans la vingtaine. C'est un besoin pour le Québec d'avoir justement quelque chose après l'âge de 20 ans, parce que même après le junior majeur, là, on se retrouvait devant pratiquement rien, là. Bien, il y avait de la place pour dans le D1, mais si tu n'as pas joué top 6 ou troisième ligne junior majeur, il n'y a pas de place pour toi au D1. Il y a trois équipes au Québec. Oui, il y avait de la place là, pour une ligue qui fait en sorte qu'après 20 ans, c'est pas terminé, jouer au hockey, puis qu'il y a encore de la place à ce que des joueurs se développent. Puis c'est surtout qu'on veut garder nos cerveaux au Québec. Ah oui. Les faire étudier chez nous, puis leur offrir quelque chose qu'ils n'ont pas besoin de s'expatrier en Ontario, en Vancouver, dans l'Ouest ou bien aux États-Unis, puis pour jouer dans une autre division. Je pense qu'on est capable d'offrir ça au Québec, là, une ligue où ce que les gars de 20 à 25 ans peuvent étudier puis jouer au hockey encore. Et c'est agréable de voir un petit peu dans l'histoire de l'ETS, là, qui est un cours de technologie supérieure au départ, qui s'est joint à l'Ordre des ingénieurs dans les années 80, milieu des années 80, si ma mémoire est bonne. Et maintenant, bien, vous voir aller pousser sur le hockey pour le faire évoluer, c'est un petit peu dans la même lignée que la pensée, justement, de l'institution, ni plus ni moins. Bien, les Piranhas, bien, c'est d'autres sports, là. On a le rugby, on a le volleyball, je ne veux pas tout nommer les sports, là, mais l'ETS, oui, ils voulaient offrir du hockey aussi. L'an passé a germé l'idée qu'on aurait une équipe de hockey, puis il y a beaucoup de monde qui travaille alentour, en arrière de ça, là, pour qu'on soit compétitif, puis qu'on fasse partie de cette ligue-là, puis qu'on ait une belle équipe de hockey, là. Donc, on a un programme de hockey à offrir là, aux étudiants en génie. Et on sait d'ailleurs que c'était, ni plus ni moins, un des chevals de bataille de Gustave Ruel du côté du RSEQ depuis plusieurs années. Un rêve peut-être qui va finalement se concrétiser parce que nos provinces voisines ont des ligues universitaires. Ici au Québec, on est un petit peu mis de côté. Et lorsqu'on parle des budgets également, ben, en juin ici, à l'intérieur de la province, c'est des budgets qui ne seront pas comparables à ce que Concordia, McGill, Trois-Rivières, en allant jouer en Ontario constamment, on peut avoir des budgets quand même raisonnables. C'est clair que ça nous évite des déplacements d'avoir une ligue provinciale, une ligue juste au Québec. Oui, on peut s'en tirer avec un budget là, qui est. Parce que si on s'entend que universitaire là, D1, c'est quasiment entre 500 000 $, rouler une équipe universitaire D1. Je pense pas qu'on va avoir besoin de ce type d'argent-là, mais oui, on va avoir besoin de budget là, pour rouler une équipe de hockey universitaire D2. Mais ce ne sera pas comparable, justement, vu que c'est provincial. Quel est l'intérêt, justement, pour les joueurs de pouvoir poursuivre, disons, un joueur qui sort de l'université, du collège ou encore de la Ligue junior majeure du Québec? Quel est l'intérêt de poursuivre? Si on fait le parallèle, par exemple, avec la NCAA, Oui. quel est l'intérêt pour un jeune qui, évidemment, ne veut pas se ramasser le bec à l'eau, peut être diplômé, mais qui a le rêve tout de même de jouer au hockey professionnel? Quel est l'intérêt de poursuivre, justement, du côté universitaire? Bien, ça te donne un 5 ans de plus de développement, où ce que tu vas être encadré, tu vas avoir des entraînements, 3 à 4 entraînements semaine, des matchs, une ligue encadrée. Puis, comme on dit, c'est un développement tardif au hockey. Entre 20 et 25, c'est sûr que dans notre ligue des deux, on va en réchapper 2-3 qui vont peut-être finir D1, qui vont peut-être finir professionnels, qui vont peut-être, après avoir leur diplôme, aller jouer 3 ans en Europe avant de commencer leur vraie vie. C'est une belle ligue. Sincèrement, le projet, pour moi, je trouve qu'il est emballant pour. Je pense qu'au Québec, on est rendu là.
Est-ce qu'on peut penser justement que du fait qu'il y a trois équipes D1 qui jouent avec l'Est de l'Ontario, évidemment, devoir partir ces trois équipes-là pour l'Est de l'Ontario, ce ne serait pas une bonne nouvelle si ça arrivait très, très, très rapidement. Est-ce qu'on peut penser justement que ce soit une transition vers une Ligue D1 ici au Québec? Je sais, je suis C'est pas dans le embêtant. secret des dieux, mais c'est sûr que si, mettons, notre ligue prend de l'expansion, puis à un moment donné, notre calibre de jeu, puis je pense que c'est ça qui va arriver, parce que, veux, veux pas, là, avec le recrutement, on regarde déjà, la ligue est quand même bien, mais avec le recrutement, puis tout ça, Parce que ça prend seulement une équipe de plus dans le ça se peut DA, qu'ils vont se revirer, puis ils vont dire, ben écoute, pourquoi qu'on joue pas dans cette ligue-là, ça va coûter moins cher. ben oui, puis en plus, c'est que ça prend, dans les règles du RSEQ, quatre équipes, c'est une ligue, dans leur règlement. Ça prendrait seulement une équipe de plus D1 et on peut penser Il y aurait une ligue raisonnablement qu'avec le provinciale. bassin qui est là, ben ramasser une équipe de plus, ça doit pas, on ne doit pas parler d'aller sur la Lune, Non, 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 c'est en haut de moi. Moi, présentement, je bâtis là. l'organisation des Piranhas, mais ça doit être envisagé, justement, là, qu'ils veulent grossir le D1 puis qu'il y ait la Ligue des deux. Ben, ça prend une Ligue des deux, ça prend les joueurs qui partent. Ça Ben oui, prend. évidemment. On parle d'un calendrier d'à peu près combien de matchs et l'encadrement. Ben, parlons d'abord du calendrier. Combien de matchs pour le calendrier D1? Cette année, on a 12 matchs de cédulés. Puis là-dedans, vu que c'est une année de transition, bien, une année, on l'appelle ça l'année zéro pour nous, là. C'est pas encore l'année 1. Fait qu'on joue quelques matchs contre des équipes collégiales. Fait que j'essaie que ma gang va jouer à peu près une trentaine de games. Par contre, l'an prochain, on parle de minimum quatre équipes. On va être minimum quatre équipes, selon ce que j'ai entendu. Ça va-tu être 15? Ça va-tu être 18? C'est fois 3, là. 3 Ouais. fois 4 matchs. Ça va être 18 matchs plus série, je sais pas. OK. Ça veut dire que ça pourrait rapidement s'approcher dans des calendriers similaires à ce qu'on voit dans le collégial, là. Oui. D'après moi, oui, là, dès que. Dès que le nombre d'équipes sera Oui, suffisant. oui. Et au niveau de l'encadrement et du ratio entraînement-match, j'imagine que ça va être aussi à peu près sur ce qu'on voit d'ailleurs du côté de la NCAA. Donc, on ne joue pas pendant la semaine, les matchs sont les fins de semaine, c'est bien Bien, ça? notre horaire l'année prochaine est déjà comme dans les cartons. Là, on va s'entraîner du lundi au jeudi, puis on va jouer les week-ends. On va avoir quatre entraînements pour un ou deux matchs. Et comme entraîneur, ben, on le voit. Si un joueur veut aller dans des niveaux supérieurs et rêver peut-être même à la Ligue nationale, on sait que c'est un processus qui est vraiment très bien pour les joueurs parce qu'on le voit du côté de la NCAA. Hein, Boston, entre autres, son équipe est pratiquement maintenant. Le recrutement se fait pratiquement tout dans la région de Boston, en tout cas en grande partie, avec des joueurs de la NCAA, parce qu'on dit souvent, ah, ils n'ont pas joué 60 matchs par année ou 70. McCarron est un bel exemple avec le Colorado, là, qui est à 24 matchs par année, il embarque avec les Avalanches, puis il fait la pluie, puis le beau temps. Donc, c'est un modèle de développement qui peut être très, très bien, là. Ben, en réduisant le nombre de matchs, tu peux mettre l'emphase à la préparation physique. Quand tu joues 72 games, comme dans le junior, Apprends à faire tu peux pas l'autobus. faire tu peux pas faire des poids l'hiver, tu peux pas peut-être tu fais du maintien, parce que sinon tu vas être fatigué pour tes matchs. C'est clair qu'en jouant un match par week-end, il y a une emphase qui. Je ne veux pas nommer de nom, mais j'ai entendu Ouais. parler de bons joueurs qui jouent pro, qu'ils avaient perdu du poids dans leur année, qu'ils n'avaient pas pu comme prendre. Fait que souvent, ils arrivent dans le pro et ils se font dire, ben là, il va falloir que tu prennes de la masse musculaire, il va falloir que tu prennes de la force, il va falloir que. Mais ils n'ont pas pu faire ça dans leur saison. Tandis que universitaire, ben, tu peux avoir deux gyms semaine, plus tes quatre entraînements, parce que tu as juste un match. En tant que ton gym ne soit pas placé proche de la game. Puis souvent, les gars arrivent plus prêts physiquement, puis moins maganés aussi. Là. Oui. Puis Moins en même maganés. temps, il y a l'aspect physique, effectivement, parce qu'à cet âge-là, on n'a pas le choix. Le temps, il faut passer du temps en gymnase, ça c'est clair. Exact. L'autre aspect dont on parle de plus en plus, on voit, bon, Carey Price qui vient de faire une sortie avec des problèmes De d'alcool, hanche, oui, mais d'hanche, mais d'alcool, de problèmes Ouais. psychologiques. On a vu Drouin également, puis il y en a plein d'autres, là. Mais ceux-là sont plus près de nous parce qu'ils ont fait la manchette dernièrement.
cet aspect-là psychologique où on doit avoir un certain équilibre entre justement les matchs, la compétition qui est très, très, très élevée, le temps de repos également. Puis dans le collégial, on le voit, le 3-4 semaines d'arrêt, dans la période des fêtes, tous les entraîneurs qui arrivent dans, dans le collégial, qui ont fait du junior majeur et parfois même de la Ligue américaine, ça va être terrible, ça va être à recommencer, puis c'est tout le contraire qui se passe. C'est assimilé. L'aspect psychologique doit jouer pour beaucoup également. Il y a un équilibre à aller chercher, dans le sens que l'entraînement, les matchs, l'école, ta vie sociale. Tu n'as pas de vie sociale parce que tu as juste l'école et le hockey. Il y a comme un équilibre à aller chercher que oui, le hockey universitaire permet d'avoir. Puis dans nos valeurs, là, si mettons vous regardez nos hashtags, c'est marqué DPRB, bien, c'est détermination, persévérance, respect, bienveillance. Mais l'aspect là, santé mentale est très important chez nous. Oui, puis d'autant plus que c'est fait à l'intérieur, parce que l'ETS, là, c'est une école de génie, donc c'est spécialisé comme formation. De temps en temps, il faut ouvrir les livres. oui, c'est vraiment. Puis ce qui est le fun chez nous, c'est que quand ils sont assis dans un vestiaire, bien, c'est que des ingénieurs. Je ne veux pas dire que les autres universités, c'est pas correct, c'est que, mais qu'il y a plusieurs spécialités. Ben, ils vivent la même chose. Tandis que nous autres, c'est tous des ingénieurs. Ils parlent de programmation, ils ont eu de la misère dans telle chose, ils s'entraident. Puis je suis capable de doser quand est-ce que c'est les grosses périodes d'examen, parce que sinon, c'est pas tout en même temps, mais nous autres, pas mal tout en même temps. Et évidemment, au niveau de l'encadrement, ben j'imagine qu'on retrouve un petit peu ce qu'on retrouve également dans toutes les équipes collégiales, donc les équipes de physio, psychologie et compagnie, tout ça vient aider chez les chez nous, on a la physiothérapie, puis ça fait partie là, de. S'ils ont à se faire traiter, ça fait partie. On a la physiothérapie, on a le préparateur physique, on a l'entraîneur des gardiens, on a un staff complet. Est-ce qu'on peut penser également que certains athlètes, chez vous ou ailleurs, dans le circuit, éventuellement seront éligibles à avoir certaines bourses, puis peut-être à alléger leur charge financière au niveau de l'éducation? C'est sûr que là, on part les organisations. Chez nous, c'est une bourse scolaire. Donc mettons, l'équipe de hockey n'a pas le droit de bourser présentement, c'est une règle, mais il y a des bourses qui sont scolaires, quand on va chercher s'ils sont bons à l'école, oui, il y a moyen d'eux. Mais je pense que chaque organisation va avoir, justement, dans leur budget, faire en sorte que, tu sais, partenariat, que ça ne coûte rien jouer, puis que partenariat, que l'équipement, ils vont briser 12 One Piece dans une année, là. S'ils payent de leur poche, ça coûte quasiment aussi cher qu'à l'université, là, 12 One Piece. Je comprends. Puis des bâtons coûtent cher aussi. Exact. C'est sûr que la Ligue va falloir, un petit peu comme la Ligue Midget 3, sont commandités par CCM, va falloir que peut-être la Ligue, à un moment donné, aille chercher un partenariat là, avec les compagnies d'équipement. On peut penser également qu'il y a une certaine soif pour ce hockey-là, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le hockey universitaire, parce qu'il y a seulement trois équipes, la plus proche pour les régions, c'est celle de Trois-Rivières, les autres sont à Montréal. C'est un niveau de jeu là, qui est pas piqué des verres. Quand on dit qu'à moins d'être dans les meilleurs de ton équipe, de ton équipe junior majeure, tu ne feras pas l'équipe où tu vas jouer sur le banc pendant une coupe de saison, parce que c'est des hommes. Ça fait que le niveau de jeu… Hier, on a affronté Chicoutimi, puis son premier défenseur a joué 3 ans junior majeur, puis sa première ligne, il y en avait un blessé hier, là, mais il y a 3 gars qui ont passé du temps au junior. Fait que la Ligue est déjà bien, puis je pense qu'elle va juste augmenter en calibre. Donc, avec peut-être l'appel des spectateurs, des gradins, est-ce qu'on vise des amphithéâtres qui vont avoir quelques milliers de personnes ou encore être plus raisonnable? C'est plus raisonnable. Ça va être en tout cas, pour ce qu'on… Présentement, on est à la recherche de notre aréna. Puis on a une ou deux cibles, mais ça va être des 300-500. Bien, écoute, c'est un excellent projet. Il y a longtemps, je pense que plusieurs attendaient justement cette venue-là là, d'une ligue universitaire, moi le premier. Donc, très content du projet. Je vous souhaite bonne chance dans votre recrutement. Je suis convaincu que vous allez trouver preneur. Merci beaucoup. Tout le succès que… On a déjà beaucoup d'intérêt là, au niveau du recrutement. Il y a beaucoup de jeunes puis il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont emballés parce que c'est un levier de plus pour motiver leurs gars qui sont à leur dernière année. Normalement, ça aurait été terminé cette année là, au collégial.
que là, il y a quelque chose après. Bien, c'est une excellente nouvelle. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance, Patrick. Merci. Donc, ça va être ça. Oh,
Eh bien, bon match, mesdames et messieurs. Les joueurs qui ne sont pas des alignements partants vont regagner leurs bancs respectifs et ce sera le début des hostilités entre les Cougars du Collège Champlain de Lennoxville et les Nordiques du Collège Lionel Groulx. Jennifer Melrose qui est venue chanter l'hymne national à plusieurs reprises du côté des Cougars. Vous l'avez entendu, une très belle voix. C'est intéressant de commencer le match comme ça. Alors, c'est bien intéressant de revoir Jennifer. On espère la revoir à l'occasion. Et je serai en compagnie de Patrick Lapointe pour le match d'aujourd'hui. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Et bien Patrick qui est l'entraîneur de l'équipe de l'ETS qui va se joindre à la Ligue universitaire Division 2 qui devrait prendre vie, on l'espère, immédiatement l'automne. Au plus tard, ce sera l'automne prochain, mais les pronostics sont bons pour l'automne prochain. Oui, oui, très bon. Ouais. Alors, c'est parti pour ce match entre les Cougars. Les Cougars qui ont plusieurs joueurs, plusieurs absents, qui viennent noircir la feuille de pointage normalement. Alors, Boudreau n'est pas là, Fortin n'est pas là, Bernier également. Alors, ça va laisser pas mal de place à d'autres joueurs de se faire valoir sur la patinoire. Là. Fortin qui récupère du côté des Nordiques, remet derrière, c'est à la faveur de Bourque. Bourque dirige vers le capitaine dans le coin et ça reviendra à Fortin à la hauteur de la ligne bleue. Fortin qui s'amène à l'intérieur du territoire. Zakozermi qui le cloue sur la rampe. Ça mène Hogg derrière pour récupérer. Mais bon travail en défensive de Robert. Ça va amener à Mel un tir qui est haut. C'est dans la baie vitrée et c'est Poirier qui va reprendre derrière. Poirier là, qui s'installe derrière son filet. Dirige le disque le long de la rampe. On va utiliser la baie vitrée pour ramener ça en territoire neutre. Ce sera récupéré derrière par Lebeau. Au centre maintenant. Et c'est Théoret, attention à 2 contre 1. Et on a devancé Théoret tout juste à droite avec Brassard qui, lui, ben, est allé directement vers le filet. Oui, il était trop pressé. Oui. Ben, c'est bien d'être pressé quand on s'approche du filet adverse. Oui. Alors, rondelle qui est déposée. Et parlant de Lebeau, ben, il y a un Lebeau du côté des Nordiques. Et Stéphane Lebeau est toujours absent. Ce soir, là, derrière le banc, donc c'est les assistants qui dirigent l'équipe. Un tir, Yarjo là, qui a vu son tir bloqué en défensive. Et on va reprendre derrière, c'est Veilleux, le capitaine, là, qui tente de récupérer le disque. Yarjo vient l'aider, remet vers Veilleux dans le coin. On tente de le ramener sur la rampe. Finalement, ça s'est rendu jusqu'à Brassard. Ça sera intercepté à la ligne bleue par Tremblay. On bataille toujours le long de la rampe. C'est Sirois maintenant qui vient reprendre. Sirois a regardé du côté de Veilleux. Veilleux était bien marqué. On ira à Tremblay et à Poirier maintenant, le long de la ligne bleue. Un tir bloqué et dévié, puis partiellement bloqué par Clément qui était devant le filet. Rondelle qui est récupérée maintenant par Lebeau. Lebeau qui tente de diriger le disque vers Thériault. Une rondelle qui était haute. Et c'est Laroche qui va reprendre, remet derrière pour Tremblay. Tremblay qui tentait de d'amener la rondelle vers Dalpé. Et ça a échoué, c'est passé devant le joueur des Cougars. Ça sera refusé. On va reprendre à la droite du gardien des Cougars. Ben, bon rythme en décollant, les Cougars qui tentent d'imposer leur rythme. Oui, pas beaucoup d'espace sur la glace. Beaucoup de pression là, de part et d'autre. Puis les deux équipes sont obligées là, de vraiment gérer leur rondelle là, de la bonne façon. Chiquan maintenant à la ligne bleue, dirige le disque en fond de territoire. C'est Tremblay qui sera là le premier. Amène le disque le long de la rampe. Babin avait bien lu le jeu et est venu intercepter la manœuvre. Hogg maintenant qui vient capter. C'est récupéré au centre du territoire et Laroche voit le disque passer devant lui. Laroche qui est employé ce soir à l'avant, comme on l'avait vu un peu également vendredi. Laroche qui, l'an dernier, était pratiquement le seul défenseur de l'équipe. Mais là, le monde à l'envers se retrouve à l'avant. C'est vrai, il y avait eu un... Je pense qu'il y avait un match, il y avait 3 défenseurs. L'an dernier, il y avait un match. Il y a une saison où il y avait un défenseur. Ça a été l'hécatombe à la ligne bleue. Des joueurs qui ont été blessés, d'autres qui sont partis. Là, écoute, regarde, il y avait... On s'est ramassé avec des joueurs devant la défense. Et les Cougars qui se sont quand même très, très bien débrouillés malgré tout. Là. Oui. Et cette année, on a quelque chose qui ressemble à une défensive. Et ce qui explique également le succès, les succès de l'équipe. Un très bon début de saison. Oui. Derrière la ligne des buts, on tente de récupérer. Fortin qui est cloué sur la rampe par Lapointe. Quelques défenseurs d'ailleurs, Patrick, avec de bons gabarits. Évidemment, doivent aller encore un peu en gymnase, mais c'est de beaux projets, comme on dit. Oui, oui. Les universitaires, regarde, c'est du développement à long terme. Donc, oui.
normal qu'à cet âge-là, là, la musculature n'est pas encore là. Et un joueur qui devrait t'intéresser du côté des Cougars également à la défense, c'est le petit numéro 8, Poirier, qui pour l'instant fait très bien du côté des Cougars. Petit gabarit, mais excellente lecture de jeu, bonne relance. Et difficile à frapper également, les pieds bougent tout le temps. Donc, dans le coin maintenant, c'est Fortin qui récupère. Fortin qui voit, ben, c'est Granger qui est à sa poursuite. Granger, excellente force d'accélération, aussi bien tourné de bord, c'est difficile de se dégager de lui. Rondelle qui a été effleurée par la voie, jeu qui va se poursuivre, c'est récupéré par Tremblay derrière. On s'en va vers Granger, Granger qui n'a pas été en mesure de maîtriser le disque. Zacha Zermi qui reprend pour les Cougars. Zacha Zermi par la rampe jusqu'à Pailly. Pailly recrue là, qui a d'excellentes mains du côté des Cougars. C'est Chicoine maintenant qui remet vers l'intérieur, c'est à la faveur de Babin. Babin qui tente de contourner la défensive. Ça a raté. Et rapidement, on remet au centre. Et c'est Granger qui va s'amener en territoire offensif. Granger qui a jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule gauche. Il n'y avait personne pour l'appuyer. Il y avait des changements qui étaient appelés par les entraîneurs. Le long de la rampe, maintenant, c'est repris par Hogg. On revient au centre de Babin à Hogg. Hogg qui va s'amener en territoire offensif. Un tir bloqué en défensive. Bon travail de plouf là-dessus. Le long de la rampe, on bataille pour la rondelle, pivote sur lui-même, et c'est finalement Veilleux, le capitaine, qui récupère. Regarde du côté de Sirois. Transversal, ça a passé tout juste devant le bâton de Yargeau. Yargeau qui, à lui seul, je pense, a plus de chances de marquer que l'ensemble de l'équipe au complet. Ouais. Et toujours très, très bien placé. On l'a vu encore une fois, là, aller se placer rapidement derrière la défensive. Alors... Encore une fois, belle lecture. S'il peut contrôler un petit peu son caractère, pas prendre de pénalité inutile, c'est un joueur qui peut faire une différence dans un match. Important, le contrôle d'émotion. Absolument. Attention, là, si revirement, on revient vers l'intérieur et Fisk est venu sauver les meubles. Une passe dangereuse ici. On a donné une ouverture béante. Là. Bon jeu ici, on est venu récupérer la rondelle directement dans l'enclave. C'est récupéré par Bourque. Bourque va placer le disque en fond de territoire. Ce sera récupéré par Plouf. Plouf qui tente de ramener cette rondelle vers Robert. Et finalement, ça va aller le long de la rampe opposée à Dalpé. Dalpé qui n'est pas arrivé à maîtriser. Un geste un peu... est un petit peu nerveux là-dessus. On voit qu'on manque de synchronisme là, dans la sortie de zone contrôlée qu'on appelle là, contre la trappe. Puis, c'est peut-être dû aux absents. Oui, ça... Alors, encore une fois, on a échappé Thériault directement dans l'enclave. Alors, on devrait être prudent lors du premier match vendredi soir. Les Cougars qui ont donné ce qu'on n'avait pas vraiment vu depuis le début de la saison. L'enclave était bien fermée. Vendredi soir, on a donné quelques très bonnes chances là, à l'équipe adverse. C'était les Patriotes qui étaient là. Donc, on a été plus poreux en défensive. Alors, on devrait être un peu plus prudent. Une ligne de centre qui est très solide du côté des Cougars. Évidemment, avec Gendron qui était absent, bien, ça laisse la place quand même aux autres, les trois autres qui sont excellents. Mais Veilleux, le capitaine qui est de retour après une longue absence, bien, lui aussi doit reprendre un peu le rythme de la ligue. Une ligne de centre qui est très solide du côté des Cougars. Ouais. Le Duc au cercle de mise en jeu. En face à Zacha Zermi, c'est récupéré par la pointe. On se rabat rapidement. C'est Tacla, là, la longue chevelure qui est à l'île. Tacla qui jouait lors du dernier match contre un jeune homme qui, lui, s'appelait Samson. Et la chevelure, c'est lui qui l'a. Ouais, c'est vrai. Zacha Zermi devant Viera. Donc, à l'entrée du territoire des Cougars, on est en territoire neutre. Deux tirs qui ont été effectués par les Nordiques. Les Cougars qui, eux, bien... n'ont toujours pas réussi à amener la rondelle sur le filet adverse. Fisk qui intercepte le disque derrière le filet. Remet à Tremblay. On réussit à glisser la rondelle vers Pailly qui accélère. Pailly qui avait vu Granger qui accélérait. Mais évidemment, il y avait une lignée de chandail noir entre lui et le destinataire. Dans le coin, là, Tremblay qui est un peu hésitant et devancé par la voie. Finalement, ça va aller du côté de Poirier. Poirier remet le disque à Granger, Granger qui accélère. Granger en territoire offensif réussit à diriger la rondelle momentanément vers Zacha Zermi. Zacha Zermi qui a tenté de récupérer le disque devant Noël. Finalement, dans le coin, on bataille ferme pour le disque. Il y a Payet qui est là. Zacha Zermi, Payet réussit à reprendre vers l'intérieur. Rondelle qui est passée derrière Granger
Ça s'est rendu jusqu'à la ligne bleue. Et là, ben, il y a Fortin du côté des Nordiques là, qui semble avoir été touché à la cheville par le disque et se relève péniblement. Comme on dit, Patrick, c'est loin du cœur, mais c'est collecté direct. Oui. Des fois, quand l'orteil, ouais. Quand la cheville est endolorie, ça saisit. Hein? Ça saisit, ça. Alors, la cueillette du fruit mûr, une rondelle qui est partie par en haut et c'est l'escarbot qui cueille cette rondelle. Deux gardiens de grande taille, là, de part et d'autre. On voit la barre horizontale qui est juste au-dessus des hanches. Fisk également est un gardien de grande taille. Alors, lorsque les gardiens sont à peu près à la hauteur du cercle bleu, ça laisse pas beaucoup de filets alentour des grosses pads. Non. La pointe, maintenant, qui tente de revenir vers l'intérieur, glisse la rondelle dans le coin pour Veilleux, le capitaine, qui regarde du côté de Sirois. Sirois qui reçoit le disque. Veilleux le reçoit à nouveau. Et on tentait de le remettre à Roberge, mais il y a un bâton, celui de Babin, là, qui est venu un petit peu mettre une poignée de sable dans l'engrenage. Alors, on revient avec la pointe derrière son filet, qui sera à l'origine de la prochaine relance. Période qui, pour l'instant, va rondement. On est déjà à 12-24. Disque qui est dévié par Yargeau en fond de territoire. Sirois sera devancé par Bourque. On est à 4 le long de la rampe. C'est poussé dans le coin opposé. C'est Valsin qui va reprendre. Valsin, un lob. Et c'est une passe qu'on devait recevoir de dos. Alors, ça va revenir en territoire des Nordiques. C'est Valsin qui va reprendre derrière. Derrière son filet, ce sera du corridor gauche. On revient immédiatement au centre avec Brassard. Brassard qui contourne la défensive, remet vers l'intérieur. Et encore une fois, on avait donné l'ouverture. Là. Belle chance de marquer. Babin s'était présenté. La rondelle a traversé l'enclave. Il y aura pénalité. Pénalité au Cougar. C'est Tremblay qui va se faire prendre. Là. Et on est à 6 maintenant. 6 contre 5. Pénalité à retardement. Demers qui remet devant. Et lorsque La Roche touche au disque. Eh bien, pour avoir donné de la bande, Tremblay sera chassé. Visite au condo privé de la Ligue. Toutes dépenses payées, logées, nourries, meublées. Siège VIP pour les deux prochaines minutes. Oui. Et les Cougars ben, devront se défendre à court d'un homme. Situation où il aurait dû, on appelle ça, faire un bear hug. Oui, le tir sur la rampe. Ouais. Exactement. Et évidemment, ben, Tremblay est un joueur recru. Puis c'est justement ça qu'on doit... Lorsqu'on touche le numéro du joueur, on n'a pas le droit de l'échapper. Là. Parce que les bras du joueur d'avant, évidemment, vont se libérer. Et on libère la ligne de passe, ça, c'est sûr et certain. Donc. Exact. Alors, on se met de la coin. Là, transversal, on revient. On la rentre transversal vers Viera. Viera qui va d'un tir. Et c'est dévié dans le filet protecteur. Bon jeu, encore une fois, on y est allé de la transversale. Et on avait vu sur le jeu précédent, juste avant la pénalité, Patrick, quand on parlait d'une défensive qui doit prendre le rythme également du côté des coureurs, quelques jeunes défenseurs. De l'expérience. Oui, et la transversale là, qu'on avait servie vers Babin, le jeu était ouvert. Si Babin touchait à ce rondelle-là, c'était fini. C'était un but. Oui. Donc, Bourque maintenant qui remet de l'autre côté, ça reviendra vers Viera. Viera, corridor droite maintenant vers Théoré. Théoré qui se met dans le territoire offensif, on pousse plus loin. Fortin sera devancé par Roberge, mais tout juste, on est à 4 maintenant, avec Zakozermi également qui s'est approché. Zakozermi qui arrive à toucher au disque, pousse un peu plus loin. Finalement, ça va sortir à la ligne bleue. Viera maintenant qui reprend. À la ligne bleue, on est en formation parapluie, permutation avec Viera. Et finalement, ben, Bourque décide de garder le disque, remet à Viera finalement. On remettra du côté droit à Lebeau. Lebeau, il va d'un tir, c'est bloqué juste dans l'enclave, ça revient à Lebeau. On glisse la rondelle derrière à Bourque et on revient en fond de territoire. Viera, diagonale. Viera qui rate son tir, récupère le disque, s'approche du filet, remet dans le coin. À nouveau vers Bourque, un tir. Bel arrêt du gardien, c'était à ras la glace. Et Fisk a bien sorti la jambière. C'est récupéré finalement par Sirois, dégagement qui est complet. Et on va amener 4 nouveaux joueurs dans la mêlée. On en fera de même là, du côté de l'entraîneur Charles Dupéré. Relance maintenant en fond de territoire. Bourque qui ira du côté droit. Brassard s'amène. Brassard en territoire offensif. Brassard va contourner le filet. Un bon bâton défensif, celui de Poirier. Et finalement, ben, rondelle qu'on débat. Ça va se rendre à Chicoine
Alain Bleu, récupéré par Thériault. On dirige vers Chicoine. Est-ce que Veilleux a le temps de se rendre? Non. On arrive à pousser le disque en fond de territoire. Et finalement, ben, on est revenu à force égale, Patrick. Il n'y a pas eu de mal. Non, seulement une chance de marquer là, durant l'avantage numérique. Très bien joué par les Cougars. Donc, Yargeau, maintenant, qui tente de revenir. Veilleux reprend. Et vers Yargeau! Et là, belle chance de marquer encore une fois. Et on a vu encore une fois le talent offensif de Yargeau. D'une passe, Eva. Est allé directement vers le filet. Ça a passé bien près de fonctionner. Là. Oui. Relance maintenant. On voit Babin qui est assis sur la petite chaise droite près de la ligne bleue offensive. Mais on s'est rabattu rapidement sur lui. On reviendra au centre maintenant. Laroche qui pivote sur lui-même. Va s'amener en territoire offensif. Laroche remet derrière à Payet. Payet qui va s'avancer. Bien évidemment, il y a un amoncellement de chandail noir qui est venu fermer l'enclave. Et toutes les formations, Patrick, vont toujours jouer de cette façon-là contre les Cougars. Les Cougars qui ont une attaque tout simplement dévastatrice. Donc, on va venir fermer l'enclave et constamment venir fermer le jeu là, pour les empêcher de prendre possession du centre de la patinoire parce qu'il y a d'excellents marqueurs du côté des Cougars. Ça va les obliger à aller jouer en haut, faire des permutations avec leurs défenseurs. Alors, au cercle de mise en jeu, à la gauche du gardien des Nordiques, ce sera récupéré dans le coin par Lebeau. On remet à droite et ça revient immédiatement. Corridor gauche, la pointe qui vient barrer la route à Lavoie, mais on l'avait devancé à sa droite. On va reprendre à territoire neutre. Alors, en affrontant une équipe de première, parce que ce sont les Cougars qui occupent la première place au classement général pour l'instant. Laroche qui s'amène en territoire offensif. Toutes les équipes arrivent bien préparées, évidemment. Et là, vers l'intérieur, c'est Payet qui a vu le disque. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a seulement deux points qui séparent les deux équipes. Ah oui, c'est serré. Alma, d'ailleurs, qui a gagné là, un match très excitant. C'était une reprise. Et là, un tir directement de l'enclave, ça rate la cible. C'était une reprise de la demi-finale de l'an dernier avec plusieurs vétérans qui étaient de retour dans les deux formations. À une minute de la fin, c'était 0-0. À la fin de la troisième période, c'était 1-1. Et ça s'est joué en prolongation. Donc, un match très excitant entre Alma et Outaouais. Rondelle qui est récupérée derrière. Poirier, qui sera à l'origine de la relance. Poirier qui remet, lui, du côté de Veilleux. Veilleux qui tente de revenir vers l'intérieur. S'est fait barrer la route par le Duc. Ça va revenir à Poirier derrière. Et là, vers le centre, Yargeau qui fait dévier plus loin. On revient à Leduc. Leduc qui n'arrive pas à maîtriser le disque. Et on va aller le récupérer dans le coin. C'est Calvé qui est frappé dans le coin opposé. Le rondelle qui revient à Tremblay. Tremblay, un tir. C'est dévié par le gardien dans le coin. Yargeau qui reprend, remet à Tremblay la ligne bleue. À Poirier maintenant. Poirier qui cherche la ligne de tir. C'est raté. Yargeau va reprendre dans le coin. Yargeau immédiatement vers le gardien. Vient toucher la jambière. Et finalement, dégagement. Et là, on va se mettre à la poursuite du disque. Talbot qui est frappé, perd pied. Et ce sera récupéré par Poirier. Poirier remet à Sirois. Sirois, placement de rondelle en fond de territoire. Gardien qui décide, lui, de laisser jouer. Chicoine va reprendre, mais à contre-courant à Noël. Et on va repartir avec Théoret. Théoret qui cherche la transversale, réussit à rejoindre Brassard. Et Brassard qui n'arrive pas à maîtriser le disque. Roberge est amené le long de la rampe. Et c'est Zakozermi qui va reprendre le disque. Zakozermi vers Payet. Zakozermi revient de l'arrière et remet à Roberge à la pointe. La pointe en fond de territoire à Roberge à nouveau. Là, on cafouille avec le disque. On pourrait créer un revirement. Et finalement, on arrive à reprendre. Tente de remettre vers Granger. C'est un jeu un petit peu brouillon, mais tout de même, on a réussi à progresser nord-sud. On voit que l'emphase, c'est de contrôler la rondelle, c'est que de ne pas s'en débarrasser. Fait qu'il a quand même tenté de faire un jeu, qui est une bonne action. Rondelle qui est récupérée par Thériault. On tentait de remettre vers l'avant. Zakozermi qui pousse le disque. Finalement, on bataille le long de la rampe. Rondelle qui bouge légèrement. Fortin qui réussit à pousser le disque un peu plus loin. Poirier s'est amené pour le récupérer. Mais à nouveau, on coince la rondelle entre les patins. Fortin qui est là. Fortin qui réussit à pousser à Lebeau. Et un tir de loin qui n'était pas cadré, mais le gardien Fisk qui fait l'arrêt. Alors, d'un côté, c'est Xavier Fisk qui va défendre la cause des Cougars. Et à l'autre bout, 200 pieds plus loin, c'est Elliott Lescarbot qui défend la cause des Nordiques.
Au cercle de mise en jeu, c'est Vieira qui va s'installer devant Clément. C'est Clément qui aura le meilleur. Clément qui va venir reprendre le disque, l'essai de Poirier. Transversal, on a passé bien près d'intercepter. Attention, la roche s'amène, pousse plus loin. C'est repris derrière, finalement, par Lebeau. Rondelle qui revient au centre à Tremblay. Clément, maintenant, qui va reprendre. Clément remet au centre. C'était pour la roche. Bonne lecture ici. C'est intercepté par Lavoie. Lavoie qui se met en territoire offensif. Remet un peu plus loin pour Vieira. Vieira qui est frappé. Et Vieira est resté sur la patinoire. Là. Il n'y avait plus la rondelle lorsqu'il s'est fait frapper. Oui, donc... pour donner de la bande, on sera chassé. Et c'est Tremblay, une deuxième pénalité pour lui aujourd'hui. Joueur des Nordiques qui est toujours au sol. Il était dans son mouvement, mais il n'avait vraiment plus de la rondelle. Alors, on lui donne pour avoir donné de la bande, mais on aurait très bien pu lui donner obstruction. Ouais. Donc là... On a ouvert le livre des règlements, on a fermé les yeux, on a pointé le doigt, on a dit, bon, ben, ça va être celle-là. Ça va être modeste. Alors, Tremblay qui est amené au condo privé de la Ligue pour un petit séjour de 2 minutes pendant que le joueur des Nordiques, Vieira, qu'on relève difficilement, semble avoir été blessé à la jambe. Non, c'est l'épaule que Vieira... un peu de travers, peut-être une dislocation. J'ai déjà eu un joueur avec qui, quand j'étais plus jeune, où l'épaule disloquait facilement, il allait dans la chambre, on rembarquait ça, puis il rembarquait sur la patinoire. Il a l'air d'avoir de la difficulté à lever le bras. Oui. Alors, espérons qu'il puisse revenir, parce que Vieira, jusqu'à maintenant, le dernier match avait connu vraiment un bon match pour les Nordiques. Était bien parti encore en première période, alors un atout important pour l'entraîneur Charles Dupéré. Espérons qu'il puisse revenir dans le match. Dès la mise en jeu, dégagement complété par Sirois, ça va aller jusqu'à l'autre bout. Chiquan, maintenant, qui reprend le disque derrière le filet. Et on se met en marche. Thériault tente de revenir vers l'intérieur. Deux bâtons qui se touchent. Et on a devancé le porteur du disque. Eh bien, lorsqu'on arrive à... Assez souvent, les spectateurs disent hey, « qu'est-ce qui se passe? Fais attention! » Mais c'est effectivement une bonne défensive qui vient protéger la ligne bleue, force le porteur du disque à longer un peu la ligne bleue. Ça prend une enjambée pour créer leur jeu. Donc, il faut donner crédit à la défensive quand ce genre de jeu se produit. Ben, leur échec avant fait en sorte qu'ils sont 4 à la ligne bleue dès que pour fermer la ligne bleue, là, dès qu'ils sont en désavantage numérique. Sirois qui complète le dégagement, ça se rend jusqu'à l'autre bout. Chiquan, le capitaine, qui sera à l'origine de la prochaine relance. Encore une 20 à faire à l'avantage numérique. Pour l'instant, les Cougars n'ont rien donné. Thériault maintenant qui s'amène. Thériault va tenter de contourner la défensive. Et encore une fois, la pointe récupère, mais... Il a oublié de venir protéger derrière absolument. Poirier ici, parce que ça aurait pu ouvrir l'enclave. Ouais. Rondelle maintenant qui est récupérée. C'est souvent ce qui arrive en défensive. Il va manquer une enjambée et la lecture du jeu qui est un petit peu déficiente. Et là, ben, on s'installe trop facilement derrière les défenseurs. Et ça a passé bien près de fonctionner là, du côté des Nordiques. Une équipe qui est extrêmement rapide. Oui. Ben, il y a plusieurs joueurs qui ont beaucoup, beaucoup de vitesse. Ouais. Là. Disons que... Il n'y en a pas beaucoup qui ne virent pas des deux bords là-dedans. Non. Un bon niveau de jeu. Oui. La Ligue collégiale a vraiment... Depuis les premiers jours que j'ai vu la Ligue collégiale, puis là, c'est le jour pour la nuit. Ah, c'est le jour pour la nuit. Ah oui, depuis, je dirais, depuis 5 ans à peu près, là, d'année en année, on voit progresser. Il y a de plus en plus de joueurs également qui... Bon, c'est pas encore un standard, mais on voit de plus en plus de joueurs qui préfèrent la Ligue collégiale à la Ligue junior majeure, justement pour... compléter les études et poursuivre leur parcours académique. Et avec des équipes comme la vôtre, universitaire, ben, il y a fort à parier que ce sera un choix qui deviendra encore plus fréquent. On va être heureux de les accueillir. Alors, on coupe vers l'intérieur. Théoret qui... et là, il y aura pénalité donc pour avoir accroché. Et c'est Zaka Zermi qui tente de plaider sa cause. Mais... Je crois que ça va s'arrêter là. On devra se défendre 15 secondes, la 5 contre 3. Oui, donc effectivement, double avantage numérique pendant 15 secondes.
La mise en jeu va être extrêmement importante. Et il y a un temps d'arrêt qui est appelé. Et évidemment, c'est de bonne guerre. Là. Pendant que du côté des Nordiques, on va tenter de profiter justement de ce 5 contre 3-là. On va essayer tenter d'établir une stratégie. Parce que 15 secondes, c'est encore très, très long. Il n'y a pas matière à paniquer et à amener la rondelle trop vite au filet. Là, on peut très bien essayer de déplacer la défensive. La clé sera la mise en jeu. Oui, absolument. Alors, du côté des Cougars, on est à 3. Il y a Yargeau probablement qui va être rappelé au banc. Il y a la pointe qui est là. Ben, comme je le croyais, Yargeau va quitter la surface de l'action. On fait confiance au capitaine pour la mise en jeu. Donc, Veilleux qui aura cette tâche de récupérer la rondelle. Il est devant Fortin. Et Veilleux a réussi. Il protège le disque. Et qui plus est, le dégagement. Ben, bon travail du capitaine qui a réussi la manœuvre. On s'amène maintenant en territoire offensif. Bourque, pendant qu'une première pénalité qui se termine. Et là, ben, vers l'intérieur, on avait prévu. Et là, attention, Yargeau qui... Presque un 2 contre 1. Et oui, et presque un échappé également. Là, c'est le bâton de Lebeau qui a réussi à toucher à cette rondelle. En fond de territoire maintenant, rondelle sautillante qui roule le long de la rampe. Ça va être amené. Attention, Yargeau regarde à sa gauche du côté de Veilleux. Yargeau, il va le tir. Le retour. Et au vol, c'est Veilleux qui a tenté d'y aller là, d'un coup de baseball. Théoré maintenant remet au centre. Et c'est Viera. Viera de retour. Bonne nouvelle, ça, Patrick. Parce que ne serait-ce que... Pour nous, les partisans, on souhaite voir les meilleurs sur la glace et non pas dans le vestiaire. Ça donne un meilleur spectacle. Ben oui! Derrière le filet maintenant, c'est le capitaine Chiquan qui remet vers Thériault. Thériault s'amène devant, vers le Duc. Le Duc à qui on a barré la route. Bon travail ici du vétéran Sirois. Thériault maintenant à la hauteur de la ligne 2. On remet vers le centre à Chiquan de l'autre côté. Transversal! Et on marque! Eh bien, c'est un tir précis, ça, de Thériault. Bien déjoué Fisk du côté rapproché. C'est 1-0. Eh bien... On a laissé passer la transversale, qui est un jeu. Ah oui, c'est dur à arrêter. Et je croyais que s'il avait pu lancer immédiatement, Fisk n'avait pas eu le temps de faire le déplacement. Là, il y a eu une petite hésitation et ça a repris un tir très précis. Bon, on va le voir sur la reprise, là, Patrick. La rondelle qui va revenir vers... la gauche, bon, le jeu qui va se développer à droite. Et on va voir arriver la transversale un peu plus tard. On amène la rondelle dans le coin opposé. La transversale. Et là, ben, Fisk était quand même bien placé, avait réussi à faire son déplacement. Mais le tir était parfait là, dans le haut du filet. Le premier qui était en pression était tellement haut, on n'a pas pu revenir dans le centre, couper la ligne transversale. Alors, la Roche maintenant qui récupère le disque, s'amène en territoire neutre. Alors, but en avantage numérique des Nordiques qui ont eu une très belle construction de jeu. Et ça s'est soldé par un premier filet. René devant 1-0. 8 tirs par les Nordiques jusqu'à maintenant, 6 par les Cougars. On s'amène en territoire offensif. C'est Valsin qui récupère, pousse plus loin. Et rondelle qui est demeurée dans le coin. Finalement, ben, ça sera récupéré par Clément. Clément là, qui contourne son opposant. Clément toujours en possession de la rondelle. Remet, lui, à la ligne 2, un tir sur réception. Payet qui tentait de défier le gardien. Une rondelle qui rate la cible. On sera dans le coin. La Roche qui vient récupérer. La Roche se fait soutirer le disque. Ça sera récupéré. On vient d'atteindre la dernière minute de jeu dans cette première période. Attention, Clément qui s'avance. Marque! Clément vient créer l'égalité. Bon jeu ici individuel. Rondelle qui est à l'intérieur du poteau. C'est 1-1. Ben, les Cougars qui n'auront pas tardé à créer l'égalité, Patrick. Le jeu a débuté avec Poirier là, qui a gardé, en faisant ce qu'on appelle un pinch, là, qui a gardé l'action dans le fond. Il s'implique physiquement malgré son gabarit. Très bonne première période de Poirier. Et là, on le voit, là. Il s'amène une belle feinte, s'amène dans l'enclave, va y aller d'un tir des poignets, ça touche l'intérieur du poteau. Et l'égalité est créée, c'est 1-1. Ben, les deux formations qui s'inscrivent en fin de première période. Et comme Guy Chouinard le mentionne souvent, ben, souvent les buts viennent en séquence. Ouais. Et là, ben, c'est un de chaque côté.
rondelle qui revient vers le centre. Donc, Benjamin Clément, le vétéran qui vient créer l'égalité en fin de période. Rondelle qui est reprise par Brassard. Reviendra de l'autre côté maintenant à Thériault, le long de la rampe. Placement de rondelle en fond de territoire. Ce sera récupéré par Roberge. On va immédiatement vers Yargeau qui fait glisser ce disque vers Veilleux. Veilleux là, qui est allé, qui a suivi la rondelle. Et là, ben, on va lui barrer la route. Ça revient vers Brassard. Brassard vers l'intérieur. Seul! Et finalement, rondelle qui n'est pas captée par Fils. Fils fait l'arrêt. Mais il y aura pénalité sur la séquence. Donc, pour coup de bâton, pour avoir cinglé, c'est Yargeau qui sera amené au banc des pénalités avec 11 secondes à faire à cette première période. Bien, belle incursion qu'on fait. Beaucoup de vitesse. On a réussi à contourner le défenseur, Patrick. Bien, il y a un petit revirement ici à la ligne bleue. On avait deux défenseurs là, qui ont oublié de compter les joueurs qui étaient derrière. Le cinglage était... On n'avait pas le choix de le faire, sinon ça, la chance de marquer aurait été trop parfaite. Alors, les Nordiques qui retournent en avantage numérique se sont inscrits au point. Et là, bien, confusion. On partait à 3. On avait des amis, mais on n'avait pas de rondelles. C'est là-dessus que ça se termine, Patrick. Après 20 minutes de jeu, les deux formations se sont inscrites au pointage. Un but de chaque côté. Il y a 7 tirs qui ont été effectués par les Cougars, 9 par les Nordiques. Et bien, une première période qui est quand même assez nivelée entre les deux formations. Pour les chances de marquer, ça s'équivaut à deux avantages numériques de Lionel Grou qui... On va peut-être en avoir une chez les... D'habitude, on les arbitres égalisent. C'est un règlement que je ne sais pas si c'est écrit où, mais... Oui, mais ben, quoi que je dirais qu'ici... Puis on a d'excellents arbitres en fin de semaine. Là. Les punitions étaient méritées. Oui, puis on a vraiment d'excellents arbitres. Là. Il y avait une formation pour les arbitres au niveau national qui était ici. Puis ils en ont profité avec les superviseurs, justement, pour venir sur la patinoire avec les équipes collégiales. Et on a vu d'ailleurs sur la partie précédente un hors-jeu qui était appelé sur un dégagement à la ligne bleue. On savait qu'est-ce que c'est ça. On a vu la reprise vidéo. L'arbitre avait vu juste. Donc, d'excellents arbitres en fin de semaine sur la patinoire. C'est intéressant, ça. Patrick, j'ai rencontré Charles Dupéré avant le match, avant le premier match. Et il y avait également un cours vidéo là, sur comment ça se passe du côté du collège Lionel Grou. On va écouter ça, puis après ça, on revient pour la présentation de la deuxième période. On aura probablement le temps également de regarder les buts qui ont été marqués. Puis de jaser un petit peu sur ce qui s'est passé. Excellent. C'est bon. Donc, je suis avec Patrick Lapointe, l'entraîneur des Piranhas de l'ETS qui vont s'aligner dans la nouvelle Ligue universitaire Division 2. Et mon nom est Rémi Meunier. On est en direct du centre sportif Thibault GM de Sherbrooke. Charles Dupéré, bienvenue à Sherbrooke, un showcase qui permet à tout le monde de faire voir les équipes. Il y a beaucoup de personnes intéressées à voir les joueurs. C'est un beau rassemblement. Fois cette année. Oui, pour vrai, là, c'est la deuxième édition. Extrêmement content d'être ici. C'est le fun de voir toutes les équipes en même place. Là. Fait que, tu sais, de voir toutes les équipes, on n'a pas le temps de voir là, dans la saison. Même moi, il y a des joueurs, il y a des équipes que je n'ai pas jouées. Je peux les voir en action en fin de semaine. Puis il y a quand même de très bons duels. Fait qu'on est très content d'être là, participer et regarder aussi. Oui, écoute, après l'entrevue, là, on va montrer une vidéo là, qui a été tournée où on montre qu'est-ce qui se passe à Lionel Grou, les couleurs distinctives, tout ça, ce qui est extrêmement intéressant. Mais ce qu'on voit à travers ça, c'est de ça que j'aimerais un peu parler, parce que tu es peut-être l'entraîneur à travers la Ligue qui avait une couleur qui était complètement distinctive et de trouver justement le bon dosage entre l'esprit de famille, un peu le rôle de grand frère, et puis amener aussi un peu d'autorité, parce qu'on doit avoir des lignes directrices dans tout ça. J'aimerais que tu me parles rapidement de l'expérience que tu as eue dans ce cheminement-là, qui était une approche qui était différente des autres entraîneurs. Là. Pour vrai, moi, je suis vraiment bossé. Je suis un gars d'équipe. Je suis un leader. Tu sais, dans toutes les fois que j'ai joué, toujours été un leader, autant effacé que présent. Et j'ai toujours voulu avoir ça dans mes groupes. Puis année après année, en partant, tu veux avoir des joueurs qui sont à la même image que toi, à la même identité. Pour moi, c'était très important. Puis, tu sais, on est collégial. Au début, tu rentres. Dans mes débuts, là, je pensais que j'étais... c'était une grosse ligue de provinciale. Puis là, tu voulais bâtir ça. Puis que les parents, coachs, ils ne pouvaient pas rentrer là-dedans. Mais j'ai vite compris que quand tu embarques tout le monde embarque. C'est un esprit de famille qui se crée.
Puis avec le feu, comme on va voir dans la vidéo, là, c'est là qu'on crée des liens avec les parents et les joueurs. Fait qu'il y a un esprit d'équipe, de famille qui se crée encore plus gros. Puis c'est ce que j'aime, puis ça donne une ambiance vraiment hors pair là, pour tout le monde. Puis il y a eu quand même un cheminement là-dedans où il y a eu un petit peu d'essai-erreur, ouais. Parce que c'est une approche qui est ouais. complètement nouvelle. Ouais. Et faut également, à l'intérieur de tout ça, ben, qu'on comprenne comment il y a un entraîneur là-dedans, puis ça peut pas juste être un ami. Là. De temps en temps, il faut barrer roue. Vraiment pas. Puis, tu sais, pour vrai, là, j'ai eu rarement des problèmes de discipline avec mes joueurs à l'interne. Comme chaque coach, il y a des joueurs qui sont un petit peu plus, moi je pourrais dire ça, rebelles, mais il va toujours en avoir. Mais ce que je trouve important, dans la philosophie qu'on a amenée depuis une couple d'années, les gars d'une région, tu sais, j'enlève rien les gars de l'extérieur, mais les gars de notre région, ils s'associent à nous. C'est un objectif qu'ils veulent créer, c'est de venir jouer, si mettons, leur plan ne marche pas, exemple le junior majeur ou autre. Ils viennent jouer chez nous, puis ils ont une place, puis ils sont chez eux. Les gars qui jouent dans le vestiaire avec eux, c'est des gars qu'ils connaissent. Fait que, en créant ça, ça va vraiment, ça va super bien. Puis pour vrai, là, à date, j'aime qu'est-ce qui se passe depuis une couple d'années, puis on va continuer comme ça. Peut-être qu'un jour, on va être obligé de changer de mentalité ou autre, mais en ce moment, j'aime qu'est-ce qui se passe. Bien, écoute, puis on voit là, dans le processus, il y a des résultats qui viennent avec. Ouais. Les Nordiques qui vont très, très bien ouais. pour l'instant. Ouais. Donc, c'est une formule qui semble fonctionner. Et on ne prendra pas plus de temps. On va voir du côté de ce que vous avez tourné, qui donne les couleurs distinctives des Nordiques. Ben, merci beaucoup. Puis bon fin de semaine, bon succès. Ça va être agréable. Charles Perret, entraîneur-chef et responsable du programme depuis 2013-2014. Jacob Chicoine, je suis capitaine des Nordiques de Lienne-Lévoux, puis je suis étudiant en sciences de la nature en Vallée-de-Marne. Une saison chez Nordiques, c'est très simple. C'est de créer plusieurs événements pour pouvoir ramener l'esprit de famille, qui veut dire voyage mère-fils, voyage père-fils, événement match en rose pour le cancer. Aussi, on a un événement de levée de fonds organisé par les joueurs et les parents. Je suis arrivé chez Nordique en septembre 2021. Et en arrivant ici, je connaissais pas grand monde, je connaissais deux ou trois gars, mais ça m'a pas fait peur, puis je voulais vraiment embarquer dans cette famille-là parce que j'avais entendu des bons commentaires. Puis effectivement, en arrivant ici, ben, j'ai réalisé que les gars étaient vraiment accueillants, j'ai été bien inclus dans l'équipe. Mes trois coachs m'ont donné vraiment beaucoup de confiance, fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé à montrer ce que j'étais capable de faire. Volley hockey chez les Nordiques, trois entraînements de 2 heures par semaine, plus une séance hors glace de groupe supervisée par notre préparateur physique spécialisé au programme de hockey masculin, plus des entraînements libres au gymnase du Collège Lienne-Lévoux. Une journée de pratique chez les Nordiques, dans le fond, on arrive ici à 8 heures le matin. On a des rencontres individuelles ou en équipe, on fait du vidéo ensemble pour regarder ce qu'on peut améliorer. Après ça, ben, on a quand même du temps libre pour parler ensemble, créer des liens, bâtir une chimie d'équipe. Puis après ça, à 9h, on embarque. On pratique pendant 1h30. Les jeudis, on pratique pendant 2h. Et après la pratique, ben, on prend notre douche, on dîne ensemble. Puis on retourne à l'école à 12h30. Par exemple, moi, les mardis, j'ai de l'école de 12h30 à 6h. Puis après l'école le mardi, on a un training de 1 heure dans le gym de l'école. Mais ça, c'est juste une fois par semaine. Fait que le reste des soirs, on a le temps pour faire nos devoirs puis étudier. Le standard étudiant chez les Nordiques, c'est très simple. Un cégep de premier tour. Le Collège Lienne-Lévoux a une renommée depuis plusieurs années comme quoi que c'est une grosse institution académique. Fait que pour moi et pour l'organisation, c'est extrêmement important les études, les bons étudiants. On veut de très bonnes moyennes générales à leur entrée. Un étudiant athlète est suivi par un API, un aide pédagogique individuel, attitré au Nordique. Et moi-même, en tant que responsable du programme, j'ai accès aux notes. C'est un suivi extrêmement serré. Et pour nous, aucun laissé-aller à ce niveau-là. Et on trouve très important que l'étudiant soit autant sharp sur les bancs d'école que sur la patte. Selon notre horaire aussi à l'école, on a du temps libre pour aller s'entraîner de notre bord. Parce que nous, on a un training avec l'équipe, mais on a aussi des trainings qu'on est obligé de faire par nous-mêmes. Fait que, mettons, par exemple, le mercredi, on pratique.
Mais on a pas mal une heure et demie, une heure de pause entre le hockey et l'école pour aller s'entraîner tout seul. Fait que ça nous donne le temps de se mettre plus en forme aussi. Une journée de match sur la route, ça ressemble, bien, on arrive à l'aréna de Blainville, on prépare notre stock, on prend notre équipement, on le met dans l'autobus. Après ça, bien, en arrivant à l'aréna là-bas, on prépare notre stock, on tape nos bâtons, on s'assure que tous nos patins sont aiguisés. Après ça, on a des meetings. On a un meeting d'équipe, puis après ça, on a des meetings d'unité spéciale. Puis après ça, on part en activation. Puis après ça, on va pour la période de réchauffement sur la glace. Après ça, ben, c'est la game. Après ça, on reprend la route vers chez nous. Puis on a souvent des lunchs fournis par l'équipe. Puis en arrivant ici, ben, on étend notre stock, on le fait sécher, puis après ça, on retourne chez nous. Des fois, on a des voyages thématiques. Dans le fond, l'année passée, on est allé à Trois-Rivières en thème plage. Fait qu'on était en maillot, en chemise d'été. Cette année, à Rouen, on était en thème sport. Fait qu'il y avait des gars en basket, en football, en soccer, puis comme ça. Eh bien, on est de retour en direct. M'assurer que ça ici, c'est coupé. Bon, c'est bon. Je vais m'assurer que j'avais pas de problème avec la console de son. Parce que quand la musique est par-dessus nous autres, j'imagine que tu chantes, tu joues de la guitare, mais ça sera pas à soi. Non, pas ce soir. Alors, Patrick, si tu le veux bien, on va jeter un coup d'œil là, sur les buts qui ont été marqués. Regardons ensemble ce qui s'est passé un peu plus tôt. Il y a deux buts qui ont été marqués. Donc, ça, c'est le but qui a été marqué par les Nordiques. On va voir, on s'amène le long de la rampe. Ça va revenir. C'est parti du côté droit. Rondelle qui... on a réussi. C'est un but en avantage numérique. Là. On a réussi à ouvrir la transversale. Oui. Et ça a été un lancer extrêmement précis qu'on a dirigé vers le joueur des Nordiques pour qu'il marque. Là. Et on va reprendre juste ici. Donc et c'est là que ça... On appelle ça un flush. On voulait amener l'adversaire vers le bas de la zone, puis on a été compromis. Ça a empêché le joueur en pression de revenir couper ce qu'on appelle en anglais le T-intersection, l'intersection là, qui est dans l'enclave, qu'il faut couper. Il faut absolument tout le temps avoir un joueur là, dans l'enclave qui coupe cette passe à travers là. Ouais, et on voit là, vois-tu, il y a un joueur complètement en haut, ouais. Près de la ligne bleue. Lui, il est en dehors du jeu. Là. Exact. Donc là, ça devient un 5 contre 3 et deux joueurs qui sont complètement en bas, très près du filet. La transversale est complètement ouverte là. Peut-être que les deux auraient pu s'étirer et étirer son bâton là, pour le défenseur opposé aurait pu étirer son bâton, là, empêcher la passe de passer à travers. Alors on voit là, mais la passe va être vive. Là. L'ouverture était trop grande. Le joueur ouais. est en retard. Il s'est fait prendre en pression offensive à hauteur dans le haut du territoire. Puis une passe très bien exécutée sur réception. Oui. Là, ben, joueur qui sort un peu de l'écran. Mais je vais voir ici comme ça.
On voit, là, il y avait un petit trou au-dessus de l'épaule. Le tir était vraiment parfait, là. Et c'est allé se loger directement dans le haut du filet. Et c'est de cette façon-là qu'on est venu inscrire le premier filet. Et le deuxième filet, l'égalité qui a été créée par les Cougars. Eh bien ça, bataille le long de la rampe qui va être gagnée. On va remettre... Un Poirier qui s'implique sur le long de la rampe en bas de zone. Et immédiatement, on a attaqué l'enclave. On n'a pas resté sur la rampe. Et là, ben, on a vu là ici... T'as le joueur en défensive qui a oublié un principe de base qui est la priorité à l'enclave. On dirait qu'il s'en allait marquer sa pointe au lieu de dire, regarde, l'enclave est plus dangereuse. Oui, justement, parce qu'on voit là, les pieds qui... On indique ni plus ni moins aux joueurs des Cougars, ben coupe à l'intérieur, je viens d'ouvrir la porte. Exact. On voit les pieds, puis tout le corps est passé à sa droite. Donc, c'est facile, une petite feinte vers l'intérieur et on sort le joueur du jeu. Là. Donc, on voit, là, c'est ce qui se passe. Il revient vers l'intérieur. Il s'en allait sur son défenseur au lieu de... Et là, ben, ramène la rondelle sur son coup droit. Un bon tir. Il vient déjouer le gardien à sa gauche. Et ça vient comme ça. Il vient croiser son tir. Oui. Donc, ça vient comme ça créer l'égalité. Et les joueurs, Patrick, sont revenus sur la patinoire. On sera donc prêt. Et c'est intéressant de regarder comme ça au ralenti puis voir justement les séquences se développer. C'est un jeu d'erreur, hein? Oui. Donc, oui. Il y a nécessairement toujours quelqu'un qui fait un bon jeu et un autre qui se dit « Ouais, j'aurais dondu. » Hogg, qui pivote sur lui-même, amène le disque le long de la rampe opposée. Fortin qui ramène ça à Hogg. Hogg, placement de rondelle en fond de territoire. Fortin s'amène avec beaucoup de vitesse, va être frappé par Robert. Mais rondelle qui est laissée libre. Et là-dessus, ben, malheureusement pour les Nordiques, c'est Théoret qui essayait, lui, d'amener la rondelle directement dans la zone payante. Mais... manqué un peu de concentration, a levé les yeux avant de prendre la rondelle. C'est malheureux parce que l'ouverture était là. Oui, elle était là. L'ouverture est qui plus est en avantage numérique, hein, parce qu'on se souviendra qu'il y avait seulement une douzaine de secondes, si ma mémoire est bonne, d'écouler à la pénalité qui avait été décernée un peu plus tôt à Yarno. Et là, c'est Veilleux qui marque! Eh bien, en désavantage numérique, Veilleux inscrit le deuxième filet des Cougars. Un classique de début de période où la rondelle collait sur la glace. Ben oui! Il avait un petit peu d'eau dans l'enclave et... Ouais. Il a échappé la rondelle. Veilleux qui va profiter justement du fameux facteur X. Rondelle qui va coller, Veilleux qui va reprendre cette rondelle, se présenter seul. Et avait réussi à faire bouger le gardien, rate sa tentative. Et au retour, dans un angle fermé, restreint, bien marqué. Et ça, ben, écoute, il y avait Marc Maisonneuve qui était ici, là, un des officiels, superviseur des arbitres au niveau provincial du côté de Hockey Québec. Il y avait également Philippe... du côté du RSEQ, je leur faisais remarquer les périodes, les temps d'arrêt, c'est 15 minutes. Et nous autres, des fois, on les meuble, ces 15 minutes-là. Les arbitres, parfois, décident de démarrer le match une minute et demie plus tôt. Ils disent, première des choses, ils nous coupent du temps, puis 15 minutes, on a besoin de ces 15 minutes-là, justement, pour que la glace ait le temps de refroidir. Ça fait une grosse différence. C'est clair. Donc, ce serait bien de dire aux officiels et de mettre ça dans les règlements de la Ligue également. C'est 15 minutes, c'est 15 minutes. C'est pas 13 et demi, c'est pas 14, c'est 15. Cette minute et demie-là fait la différence. Regarde, la rondelle vient de coller encore. Puis on a passé bien près une deuxième fois. Rondelle maintenant qui est récupérée par Babin. Babin tente de revenir vers l'intérieur. Partie supérieure, bel arrêt de Fisk. Fisk, long gabarit. Attention, là, on tente de s'amener avec Dalpé. Dalpé qui tentait de glisser la rondelle à la roche à droite. Rondelle qui est amenée maintenant jusqu'à Thériault qui fait dévier en fond de territoire. On bataille pour le disque. C'est Théoret qui est devancé par Plouf. Plouf qui remène le disque du côté de Robert. Le long de la rampe, ça passe au bout du bâton de Dalpé. Valsin maintenant va récupérer. Tente de ramener les Cougars dans leur territoire. Robert maintenant du revers jusqu'à l'autre bout. Et là, c'était pour la roche, mais
Une passe qui a été envoyée avec une petite carte de visite, mais c'était facile pour Noël de couper. Peut-être pas la meilleure idée, là. Une sauce sur le revers, là, à travers la glace, ça aurait peut-être été mieux de la placer là, sur une demi-glace vers l'avant. Ah, absolument, absolument. C'était. Puis en plus, en ayant une rondelle qui avait à peu près pas de vélocité, un ballon de plage qui était envoyé là, de l'autre côté. Quelqu'un aurait pu la couper avec la main et partir en... Ah, puis même Noël l'a raté parce qu'il il s'était avancé. Revirement dans l'autre territoire avec la roche qui, lui, était déjà avancé. Était sorti du jeu si la rondelle était coupée. Là. Et des revirements à autre territoire comme ça, généralement, ça se termine avec une très bonne chance de marquer. Ou une punition. Oui. Oui. Alors, Roberge qui voit la rondelle toucher l'arrière de son patin. On va reprendre en territoire neutre, tout juste à l'entrée du territoire des Nordiques. Zacho Zermi au cercle de mise en jeu et devant le Duc. Et ce sera récupéré par Takla. Takla là, qui accélère, s'amène rapidement sur le gardien. Rondelle qui va le long de la rampe. Le Duc touche... Paillé. Paillé, ça, c'est une recrue, Patrick, là, et si son développement se poursuit, pourrait valoir le billet d'entrée lui seul. Là. On démontrait, fait quelques buts avec d'excellentes mains, une très bonne lecture de jeu. Et évidemment, ben, c'est encore un beau projet, c'est un joueur de première année. Mais jusqu'à maintenant, regarde, on vient de voir encore une fois, là, jongler avec la rondelle au vol deux fois. Et on va... peut-être réussir à le voir en pression offensive. Et là, vers l'intérieur, on vient défier le gardien à courte portée. C'est Granger qui s'est amené vers le filet. Il semble avoir beaucoup d'habileté et avoir un bon flair offensif. Oui, et également, pour un joueur de première année, ne panique pas avec la rondelle. Va réussir à ralentir le jeu, ce qui est plutôt rare pour un joueur de première année. Donc, un beau projet pour les entraîneurs. Qualité très importante. Être capable de jouer sous pression. Ah oui, oui. Clément au cercle de mise en jeu et devant Fortin. C'est Clément qui aura le meilleur. Ça va derrière, un tir et ça a été partiellement dévié juste devant. Le gardien qui a bien réagi. Cyr maintenant à un contre un devant Poirier. On est revenu de l'arrière et pression arrière de Dalpé. Ça fait perdre pied à l'opposant. Dalpé qui va reprendre en territoire neutre, s'amener en territoire offensif. Bon bâton en défensive, ça crée la relance vers Cyr. Et là, ben, on s'échange les politesses. Dalpé qui va placer la rondelle en fond de territoire. Et c'est Chicoine qui va reprendre derrière son filet. Chicoine qui va s'amener en territoire neutre. Tenter de rejoindre Cyr, ce sera vraisemblablement refusé. Effectivement, c'est confirmé. On va reprendre 200 pieds plus loin, près du gardien, l'Escarbeau. Très bon rythme. Ouais. Ça sera à voir si les Cougars, là, 15 joueurs sur le banc, sont capables de tenir ce rythme-là. Ben, Cougars, bonne condition physique. Espérons évidemment qu'il n'y en ait pas trop, qu'il soit également avec un virus latent. Une huitième vague qui touche beaucoup. Je pense qu'il y a une école ici dans les environs. Il y aurait 300 cas de positifs là, d'une claque. C'est une nette éclosion. J'ai moi-même, dans ma ligue amicale, j'ai eu 5 ou 6 cas là, après le premier match. Et ce n'était pas arrivé depuis le début de la pandémie. Donc, une éclosion qui est très, très, très virulente. Là. Ou très contagieuse, plutôt. Les gens souvent, ne sont pas très, très malades. Pour certains, ils sont un peu plus, mais c'est surtout que la contagion là, qui est virulente. Et là, un bon tir. Yargeau revient vers l'intérieur. Et là, Yargeau, on l'a vu, flair offensif, a tenté, lui, de toucher l'arrière du gardien, faire dévier derrière la ligne des buts. Et il y aura un joueur de trop. Oui. Et les officiels ne l'ont pas vu. Il y a là un tir jambier extérieur, il y aura pénalité. Donc, pour coup de bâton, ce sont les Nordiques. Ben, on vient de se reprendre un peu, là. Donc, Brassard qui sera chassé. Oui. Bon tir, jambier extérieur, c'est ce qu'on veut voir souvent. Oui. Hein? Ben, on appelle ça un tir pour l'équipe. Lorsque tu es à l'extérieur des points, tu veux mettre la rondelle dans les jambières pour ton chum qui drive le net, qui s'en va au filet. Et particulièrement la jambière extérieure. La rondelle va revenir très, très, très souvent directement devant le filet. Un tir qui est à peu près impossible à contrôler pour un gardien de but. Même les meilleurs au monde n'arrivent pas à le faire.
On ne peut pas casser le tibia. Rondelle qui va vers Yargeau. Transversal rapidement vers Clément qui a marqué un peu plus tôt. Là. On est en avantage numérique du côté des Cougars. On revient à Poirier, la ligne 2. À nouveau vers Clément. Transversal vers Yargeau. L'autre côté. Et là, ben, Yargeau qui est impatient aurait bien aimé voir apparaître la lame du bâton de Clément. Vers l'intérieur. Ici, une bonne glissade de Noël devant directement dans l'enclave. On avait réussi tout de même à toucher la lame du bâton du joueur directement dans l'enclave. Poirier maintenant. Yargeau qui va d'un tir. Bel arrêt du gardien. Ça sera récupéré par Clément. Clément en permutation avec Poirier. Yargeau également un tir. La rondelle qui revient devant. C'est sautillant. Et il y aura autre pénalité. Donc, pour double échec, juste devant le filet. Et il y a un joueur qui reste au sol. C'est Veilleux. Et Veilleux a été blessé cet été là, en jouant à la crosse. Et ça m'inquiète toujours un peu lorsque je le vois comme ça frapper au dos. Il a été à l'écart du jeu pendant un sacré bout de temps. Je crois qu'il y aura 2 minutes supplémentaires pour antisportif. Il y a eu un commentaire après le sport. Hop, ben, on n'aide pas notre cause du côté des Nordiques. Là. On voit les joueurs des Cougars là, qui encouragent leurs coéquipiers. Peut-être un 10 minutes conduite antisportive. Ouais, ça se peut très bien. Ben, y a pas mal de monde au banc des pénalités. Yargeau sur réception. C'est quoi? Les Cougars vont demeurer en avantage numérique. Eh bien, il y a effectivement 2 pénalités qui ont été décernées, Patrick. Pendant qu'on va voir un avantage numérique qui est expéditif. Rondelle qui va circuler dans l'eau du territoire. Ça va revenir en bas et lorsque ça revient, vers Yargeau, on fait feinte de lancer. De l'autre côté pour Yargeau, tire sur réception. Et bang, c'est réglé. À vous portant. Ouais. 3-1. Une passe qui était parfaite hein, parce que pour tirer comme ça sur réception, il faut absolument que la rondelle soit sur le pied extérieur. Et lorsqu'elle est directe entre les orteils, très facile pour le joueur de s'élancer et de réussir un bon tir. Ça dépend surtout du passeur. Ah oui, il faut que la passe soit parfaite. On voit parfois des joueurs qui réussissent à s'accroupir et à casser les poignets lorsque la passe n'est pas parfaite, mais là, ça devient très exigeant pour le lanceur. Donc, Yargeau qui marque. Alors, rondelle qui va de l'autre côté. On est toujours en avantage numérique. Encore une 20, là, Roberge. Et ça, ben, ça pourrait être critique pour le reste du match si jamais les Cougars en inscrivaient un autre. Dégagement qui est complété après avoir bloqué le tir. C'est Valsin qui réussit à dégager Granger immédiatement. Là. Attention, on tentait. Ben là, vois-tu, on vient de voir là, le capitaine du côté des Nordiques qui a très bien réagi. Il y avait Sirois qui venait s'amener dans l'enclave. Et c'est exactement ce qu'on voulait voir, un tir. Et dans le match précédent, on avait une jeune défensive avec les dynamiques de Sainte-Foy. Ont été débordés comme ça, on est allé se placer derrière les défenseurs facilement. On l'a vu un peu plus tôt avec les Cougars également, les défenseurs de première année qui étaient une enjambée trop tard, ont réussi à se faire déborder. Et là, ben, le capitaine Chicoine, lui, on l'a vu, ça a été dans les bras et jamais on n'était capable de le déborder puis s'en aller derrière lui. Directement dans l'enclave, c'est Payet qui a tenté d'y aller d'un tir, rondelle sautillante. Les Nordiques qui reprennent possession et complètent le dégagement. Attention, le Poirier qui pivote. Et là, ben, ça revient vers l'avant. Et c'est été bloqué par Veilleux. Relance maintenant avec Yargeau. Il y a une confusion derrière le filet avec le gardien. Oui. Même le gardien qui a joué de l'épaule là, derrière le filet. Et on en attend Clément. À Poirier. Permutation avec Clément. Un tir. La rondelle qui est toujours en vie. C'est sautillant.
Et finalement, ben, ce sera récupéré par Liangeau au centre pour Poirier qui va d'un tir. Payé qui remettra lui. Ben, tentait de ramener ça à la ligne bleue, mais une rondelle sautillante a raté sa tentative de passe. On est revenu à force égale, Patrick. Liangeau qui va reprendre, remet à contre-courant pour Poirier. Poirier derrière le filet, finalement, décide de revenir sur ses pas, dirige le disque vers Payé, qui a tenté de faire dévier. Et Payé, on le voit encore une fois, habile, vient récupérer la rondelle dans les patins de son adversaire. Il est bon pour soulever le bâton de l'adversaire et voler des rondelles. Oui. En fond de territoire, Lebeau. Lebeau dans le coin. Tentait la transversale, ça a touché les patins de son opposant. C'est Laroche qui faisait pression sur lui. L'attaque qui se poursuit avec Zaka Zermi. Ça revient au centre et Cyr pousse plus loin pour lui-même. Cyr qui est seul de son camp. Il y a Thériault là, à droite. Et Thériault qui a réussi à devancer le porteur du disque. C'est un hors-jeu à retardement. Là. Et finalement, ben, lorsque le Duc s'approche du disque, c'est rappelé. On va reprendre à l'extérieur du territoire des Cougars. Non, je crois que ça sera à l'autre bout parce que Lionel Gros aurait dû sortir de la zone. Puis... Ah, oui. Tu as fait raison. L'officiel avait mentionné sortez de la zone. Puis... Ben là, il les a sortis comme il faut. Oui. Il sera à l'autre bout. Alors, au cercle de mise en jeu, c'est Veilleux qui, cette fois-ci, perd son duel contre son opposant, Babin. Rondelle qui va revenir entre les deux lignes bleues. Plouf, maintenant, remet du côté de Liangeau. Liangeau qui tentait rapidement de remettre vers Veilleux, qui était tout près de la ligne bleue. Rondelle qui va revenir à Fisk. Poirier, maintenant, qui glisse la rondelle le long de la rampe droite. Veilleux qui récupère, remet vers Liangeau. Liangeau en territoire offensif. Liangeau, une feinte. Revient vers l'intérieur. Remet, lui, de l'autre côté. Et là, ben, c'est Laroche. Pas Laroche, mais bien Poirier. C'était avancé. C'était joint à l'attaque. Oui. Et Poirier, là-dessus, si ça avait été un joueur d'avant, aurait probablement été tout près du poteau à gauche. Et c'était terminé, c'est un but. Oui. Poirier qui est un petit peu trop éloigné du filet. Là. On voit qu'il tentait de revenir en arrière, puis la rondelle s'est ramassée là. Oui. Roberge maintenant. Roberge tente le tir, ça ira en diagonale. Et là, ben, la jambière en l'air, c'est le gardien. Un arrêt comme dans le temps, comme on dit, un two-pad slide. Là. Oui, puis avec la jambe en l'air. Lequel gardien dont j'oublie son nom, qui est... Asik, Dominique Asik, oui. Qui était la pieuvre dans le filet, qui c'était pas toujours très, très beau. Mais écoute, à force d'en arrêter, on se dit, ben coudonc, ils les arrêtent. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un arrêt comme ça. Ben oui, moi non plus. Et d'autant plus que c'était vraiment les... C'était curieux parce que le gardien avait la tête par ici, les jambières à l'opposé. Ah oui. Dans le temps, c'était une technique, quand j'étais plus jeune, c'était une technique qui était enseignée. Mais c'était à l'époque où on permettait également aux gardiens d'attaquer les rondelles, ouais. Tandis que maintenant, on leur enseigne à rester dans le fond du filet. C'est complètement... les gardiens ne goalent absolument plus de la même façon. Non. Valsin, maintenant, qui accélère. Valsin va s'amener en territoire offensif. Valsin glisse la rondelle à droite du côté de Théoré. Ça revient dans le coin opposé. Une petite hésitation de la pointe. Et finalement, perd son combat, ça traverse l'enclave, mais il n'y avait personne pour recevoir du côté des Nordiques. Dans le coin maintenant, on bataille, ça revient vers Payé, vers l'intérieur, Granger qui perd le disque, mais avait senti la présence de son coéquipier. Et là, attention vers Payé, Payé tentait la partie supérieure, aurait très bien pu revenir du côté droit, puis c'est un but vite. Quoique, il y avait toujours la défensive qui revenait un peu vers lui, a tenté la partie supérieure. Je pense qu'il voulait prendre le gardien à contre-pied parce qu'il est encore en déplacement. Oui. Et on avait réussi à déplacer la défensive. La belle incursion des Cougars là-dessus. Rondelle qui va aller à Tremblay à la ligne bleue. Glisse le disque du côté de Poirier. Poirier, un tir qui est bloqué en défensive. C'est un bon bâton en défensive, ça, de Leduc. Le long de la rampe maintenant, Fortin qui tente d'immobiliser la rondelle le long de la rampe. Et pousse du patin vers Demers qui glisse la rondelle, lui, à son tour, à Bourque. Vers belle passe ici de Fortin qui s'amène avec vitesse. Remet vers l'intérieur. Bien et bien joué, Leduc, oui. Un bâton qui était libre. Ça va finalement se rendre jusqu'à la roche. Vers Dalpé maintenant. Et Zaka Zermi est à gauche.
Zakozermi qui est dans le coin, va protéger le disque, pivote sur lui-même, glisse la rondelle un peu vers l'avant, mais c'est intercepté par Demers qui remet lui du côté de Fortin. Vers Cyr. Cyr qui est frappé, amené le long de la rampe. Et là-dessus, ben, c'est récupéré derrière par Tremblay. Bon jeu, encore une fois. Ça, c'est des jeux souvent que Zakozermi passe un peu sous le radar, là. Mais encore un jeu intelligent de sa part où, plutôt que d'aller prendre la rondelle et voir la position de Tremblay, fait seulement se mettre dans la ligne de déplacement, cesse de patiner. Le joueur, lui, il n'a pas le choix de faire le tour, mais ça permet à Tremblay de récupérer. Puis ça, Zakozermi, ce genre de jeu-là, il en fait régulièrement. Un jeu qui passe dans l'ombre, mais c'est ce qui fait que à 4 contre 5 ou encore quand c'est le temps de fermer un match, ben, l'entraîneur va le mettre sur la glace. Ça appelle du sens du jeu. Oui. Un joueur qui n'ira pas pour la photo, mais qui va y aller pour dire, ben moi, on a gagné. Oui. Zakozermi également, qui n'hésite pas à prendre des tirs dans des situations où... Corsé. Oui. Il va aller se mettre devant les tirs. Et ça a un effet d'entraînement. Ça a dit aux coéquipiers, regarde, moi j'y vais, ben ouais, toi aussi. Rondelle qui est poussée en territoire des Cougars. C'est Yargeau qui va venir récupérer cette rondelle. Yargeau qui remplace le disque à contre-courant. On revient vers l'intérieur. Une passe qui était longue. Ça s'est rendu vers Yargeau. Remet derrière à Veilleux. Veilleux vers l'intérieur à la pointe. La pointe, un tir! Ça a touché le masque du gardien. Ça revient à la hauteur de la ligne bleue. Robert, il va à nouveau d'un tir. Ça a été partiellement dévié. Ça s'est rendu jusque sur la jambière gauche du gardien, là. En fond de territoire, maintenant, Babin qui reprend. Finalement, bon, on va revenir vers le capitaine Chicoine dans le coin. Chicoine qui voit le disque réapparaître. Paillé qui reprend. Paillé, temps de revenir vers l'intérieur. Au centre, un tir. Et encore une fois, on a vu l'habileté de Paillé là, dans le coin. L'intelligence du joueur qui tend les hanches, tourne, protège la rondelle, libère ses bras et réussit à faire le jeu. Et un très, très bon bâton en échec avance. Il y a de moins en moins de grosses mises en échec. C'est les palettes sur les palettes. Puis il a coupé le jeu en utilisant son bâton. Au cercle de mise en jeu, Clément. Il est devant Théoré. C'est Théoré qui aura le meilleur. Ça va derrière. Valsin qui est frappé. Théoré qui va reprendre. Théoré vers Brassard. Et à nouveau, de l'autre côté, c'est à la faveur de Lebeau. Lebeau qui se fait barrer la route par Paillé. Finalement, ben, deuxième tentative, on amène ça vers Brassard de l'autre côté. Le long de la ligne bleue, c'est Thériault qui va placer la rondelle en territoire des Cougars. Tremblay qui est frappé. On bataille derrière le filet. Et finalement, ben, Clément qui va reprendre. Et à la hauteur de la ligne bleue, ben, c'est Brassard qui décide de ramener tout le monde dans leur territoire. Et si on voit juste à la surface glacée, Patrick, on peut voir que les Nordiques n'ont pas passé beaucoup plusieurs minutes en territoire adverse. Bon, ça a été une période à l'avantage des Cougars. Rondelle maintenant qui est récupérée par Tremblay. Ça va se rendre jusqu'à Paillé et on va remettre derrière à nouveau à Poirier. Clément qui fait dévier le disque jusqu'à Paillé. À nouveau, là, ça revient derrière, du jeu un peu décousu. Un petit lob qui va tomber juste devant Paillé. Et là, ben, un bon bâton en défensive. Paillé, et là, encore une fois, Paillé, un tir. Oui, c'est bien joué en défensive par Chicoine. Encore une fois, là, on a vu le défenseur, le capitaine, qui, lui, ben, a bien lu le jeu et a réussi à se mettre dans la ligne de tir. C'est un jeu qui était rapide, ça. Il a fallu... Il a bien réagi. Oui, Chicoine avait très, très bien lu le jeu. Et c'est pour ça que ça prend autant de temps de développer un bon défenseur, reconnaître les situations de jeu, parce qu'on est toujours en réaction. Fait que la réaction doit venir vite, mais la lecture doit venir encore plus vite, parce qu'on... Tu sais, c'est pas difficile, hein? On choisit... On prend l'information, on choisit un jeu, puis on l'exécute. Ouais. On enlève du temps sur n'importe quel de ces trois éléments-là, puis on est dans le trouble. Deux contre un. Deux contre un, oui, avec Poirier qui s'est avancé. C'est Roy Giroux. Et là, belle glissade du capitaine. Encore une fois, Chicoine qui a bien... qui a glissé longtemps. Brassard maintenant. Brassard dans la zone. Et les marques! Directement dans la partie supérieure. Brassard vient réduire l'écart. C'est 3-2. Quel bon tir! Je
pense qu'elle a dévié, mais je ne suis pas certain. On va être capable de voir ça. Ben, peut-être pas à la reprise, là, parce que l'écran est tout petit, mais on s'amusera entre les deux périodes. On va aller jeter un coup d'œil. On voit là, l'incursion des Nordiques. Les Nordiques qui ne sont pas allés très souvent en territoire adverse, sont opportunistes, profitent d'une ouverture directement dans l'enclave. On voit là, le tir est précis et réussit à toucher la cible. Très bon tir des poignets. On a un nouveau match. Oui. C'était marqué avec 5 minutes à faire. Donc, c'est Benjamin Brassard qui a marqué. Dalpé maintenant que ça mène. Un tir, c'est haut. Ça a dévié sur le gant du gardien Lescarbot. C'est allé dans le filet protecteur. On va reprendre en territoire des Nordiques. Ben, c'est le genre de match également pour une équipe qui... On doit rester dans le processus et continuer à mettre de la pression, Patrick, parce que c'est très facile de dire « Ah, ça va bien, on domine ». Tu tournes les yeux vers le tableau indicateur, tu dis « Oui, mais il n'y a qu'un but d'écart. Ouais, c'est un but, c'est un lancé. Hein? » C'est un match de tempo et de haut et de bas, un match de hockey. Donc, oui, il ne faut pas s'endormir. Alors, rondelle qui revient vers le centre. Yargeau revient vers la ligne bleue, conserve le disque, va s'amener directement dans l'enclave. Yargeau vers l'intérieur et c'est Sirois qui pivote. Impressionnant, Yargeau, comment il peut exécuter à haute vitesse comme ça. Transversal. On tente de ramener le disque vers la voie. Ça fait barrer la route. Ce sera récupéré derrière. Et ben, il y avait un joueur qui était au sol. Et finalement, ben, Théoret n'a pas été en mesure de s'amener en territoire offensif. Tremblay va reprendre. Remet à Yargeau. Yargeau au centre. C'est à la faveur de Veilleux. Veilleux pivote sur lui-même. Roberge. Roberge un tir. Le retour. Et là, le gardien était généreux là-dessus. Ça a touché son poignet. Ça revient au centre, vers l'intérieur. Et là, ben, en plongeon. Écoute, je pense que c'est Dominique Assek qui est devant le filet. Il a de la difficulté à garder la rondelle avec son gant. Ouais. On a fait sauter les patins à Veilleux en territoire neutre. C'est Tacla qui était près de lui. Et du côté des Nordiques... ce qu'on peut voir, c'est qu'on a de la facilité du côté des Cougars à amener toute la défensive du côté droit de la patinoire et on vient ouvrir le corridor gauche très, très, très facilement. Ouais. Le repli de Lionel Gros est toujours à la rondelle. Puis je pense que les Cougars ont ciblé que tu transfères la rondelle de l'autre côté. Ouais. Clément au cercle de mise en jeu. Ce sera gagné par les Nordiques. Revient le long de la rampe, c'est Tacla. Tacla qui accélère, remet vers l'intérieur à Fortin. Fortin, permutation avec Tacla. Ben, un bon bâton en défensive, il a bien servi par sa longue portée. La pointe a réussi à toucher au disque. Et les Nordiques qui ont dû reculer. Rondel maintenant qui est récupéré par Noël. Noël qui contourne le filet adverse, revient vers l'intérieur. Et on a vu, là, tous les joueurs étaient bien marqués. Bonne réaction en défensive des Cougars, là. Rondelle qui est récupérée maintenant derrière le filet. On ramène vers Payet. Belle lecture. On revient vers l'intérieur. Un tir. Et on marque! But égalisateur. C'est dans le long de la rampe. On a réussi à récupérer la rondelle. Et Cyr crée l'égalité. C'est 3-3. Fin de période, les batailles le long des rampes. Eh bien, on venait de dire que tout le monde était bien marqué. Bien là, Cyr était assis dans son salon directement dans la zone rouge. Alors, le long de la rampe, on va perdre possession du disque et Cyr a tout le temps, lui, d'y aller d'un bon tir dans la bouteille d'eau. Ce qui est difficile à jouer, c'est parce que les Cougars étaient en offensive, donc personne n'est en marquage, puis le revirement s'est fait rapidement. Oui, c'est ça. Tremblay derrière. C'est bloqué au vol par Thériault. Thériault qui... chance de marquer deux buts dans les... oui, mais... il a été opportuniste. Les Cougars ont seulement donné 12 tirs depuis le début de la partie. Et Fisk n'a rien à se reprocher. Ça a été deux tirs, non, là. Ah oui. Pendant qu'on replace le filet, là. Ben, on a tout de même... Ça nous donne quand même un meilleur spectacle là, en ramenant à égalité comme ça. Oui. Donc, on aura
un dernier 20 minutes, une dernière période de ce showcase là, où il y a eu 13 parties pendant deux jours et un soir. Il y a eu deux parties qui ont eu lieu vendredi soir. Alors, pourquoi pas terminer avec un bon show? Et une prolongation. Et pourquoi pas? Ben oui. Sirois. Sirois qui tente de contrôler la défensive derrière. Et on revient devant. On tentait de rejoindre Roberge qui s'était avancé, lui, pour appuyer l'attaque, qui était revenu de derrière. Yarjo maintenant. Yarjo remet du côté de Zakozermi qui s'amène en territoire offensif. Une petite passe soulevée vers Sirois. Bien tenté. Et oui, et ça a glissé jusqu'au gardien. Et justement, on travaille, on demande beaucoup aux défenseurs maintenant d'appuyer l'attaque. Ouais. Et de plus en plus, on amène un style de jeu, Patrick, qui ressemble beaucoup au style européen. C'est-à-dire, c'est plus des joueurs d'avant, plus deux joueurs de défense, c'est des unités de cinq. C'est cinq attaquants lorsqu'on a la rondelle, cinq défenseurs lorsqu'on a... Et je me souviens, j'avais fait le défi Québec-Finlande il y a quelques années, lorsque l'équipe finlandaise nationale était venue ici pendant la période des fêtes du côté de Sorel-Tracy. Je faisais le tour pour aller chercher les alignements parce que je décrivais les matchs. Puis lorsque je suis allé rencontrer les Finlandais, puis je demande, du côté du Québec, ils avaient regroupé les meilleurs joueurs. Et là, tu as tous les attaquants, les défenseurs, ainsi de suite. Eux arrivent avec ces cinq-là jouent ensemble, C'était juste la façon dont ils nous informaient de qui jouent ensemble. C'était vraiment des groupes de cinq. Différent. Ah oui, c'était. Et on le voyait sur la patinoire. La façon de jouer était complètement différente. C'était vraiment très intéressant. Par contre, pour jouer de cette façon-là, les équipes du Québec ont très bien rivalisé avec des joueurs qui se connaissaient peu ou pas. Et parce que pour jouer en unité de cinq de même, il faut que tu aies joué. Là. Ouais, il faut que tu te connaisses. Un minimum de structure. Oui. Rondel qui est récupéré par les Nordiques. Poussé un peu plus loin, Fortin. Récupéré maintenant, attention, Veilleux. Veilleux s'amène. Veilleux dans le territoire. Et là, bon tir. Bon tir voilé. Oui, gardien qui a sorti la jambière droite dans le coin. Veilleux qui reprend, tente de revenir vers l'intérieur. Veilleux va venir récupérer le disque, pivote sur lui-même. Rondel qui va aller le long de la rampe pour Lavoie. Ça revient vers l'intérieur. Paillé, il ramène le disque dans le coin. Chicoine sera là le premier. Ça ira le long de la rampe opposée. Et là, la pointe n'a pas hésité, lui. C'est avancé. Zakozermi est venu en appui derrière pour éviter. Et on voit là, les trois joueurs des Cougars bien placés en défensive. On a permis justement aux défenseurs de tenter de garder la rondelle. De prolonger l'attaque, oui. Yarjo, comme de l'autre côté. Attention, la rondelle qui a bondi sur la lame du bâton de Poirier. Un tir. C'est Lavoie qui s'est avancé. Ça revient dans l'enclave. Et là, on vient libérer le territoire avec moins d'une minute. Rondelle maintenant qui est amené le long de la rampe, transversale, longue transversale. Et là, vers Yarjo, qui lui, évidemment, s'est amené directement dans l'enclave. Rondelle qui est reprise par Zakozermi. Zakozermi fait feinte de donner la rondelle. Finalement, la dirige vers Yarjo. Yarjo vers l'intérieur! Et là, Zakozermi qui aurait bien aimé lui faire dévier vers le filet. C'était bien pensé de Yarjo. Oui. Et Zakozermi, on avait vu le gardien qui était agenouillé. Il y avait du filet. Là. Si on avait pu faire dévier la rondelle un peu vers le haut, c'est un but. Donc, bonne chance de marquer pour les Cougars. Lebeau. Rondelle qui est déviée. Ça va sortir de la surface glacée. Et on va reprendre en territoire des Nordiques. Alors, encore 4 secondes à faire. Ce sera une mise en jeu importante. Alors, c'est terminé pour cette période. Donc, après 40 minutes de jeu, on a un bon spectacle, Patrick. Ça nous donnera le droit à une bonne troisième période, une très bonne troisième période. Ouais. Patrick, on va revenir avec les faits saillants du match dans quelques minutes. On va regarder un court vidéo de ce qui se passe du côté du Collège Champlain. Stéphane Lebeau est absent, retenu là, chez lui, malade. On va regarder un peu un court vidéo là, de quelques minutes. On va parler après ça avec Philippe quelques minutes pour faire un peu le tour de ce qui s'est passé en fin de semaine. Et on revient après ça avec les faits saillants. Et la troisième période.
s'annonce prometteuse avec 3-3. Oui. Donc, on est en direct de l'aréna du Centre sportif Thibault GM de Sherbrooke. Mon nom est Rémi Meunier. Je suis en compagnie de Patrick Lapointe. Donc, on vous revient avec la présentation du match dans quelques minutes. On va faire une entrevue avec... T'es revenu. Poigne tout le trépied. On a un fil qui radote. Ah, regarde, là, je le perds. Ah non, c'est correct, il est là encore. Compagnie de Philippe Dubot-Chicoine. Eh bien, Philippe, tu es responsable du côté du RSEQ, donc un des principaux artisans là, de ce qui s'est passé en fin de semaine. C'est un grand succès encore en fin de semaine d'avoir regroupé toutes les équipes. Tout le monde est... ça avait été très bien l'an dernier, et je pense que cette année, là, on vient de franchir une autre étape. C'est encore mieux organisé. Tout le monde était vraiment très content d'être là en fin de semaine. Oui, tout à fait. T'sais, l'année passée, on l'avait fait un petit peu... pas pour dire à la dernière minute, mais avec tout ce qui est la maladie qui commence avec la lettre C, on ne fait pas trop planifier les choses d'avance. Donc, on était très contents de le faire l'année passée. Cette année, on avait vraiment eu l'année au complet ou après l'édition dernière pour s'organiser. On a ajouté plein de nouvelles choses. On est bien contents. J'ai profité de l'occasion pour te remercier. Pour la fin de semaine. On a fait un travail extraordinaire aussi. Tout ce qui est le staff du complexe, c'est A1. Très, très, très. Ils ont aidé tout au long du week-end. Ils ont
donner des services exceptionnels. Puis même aussi le triolet, l'école secondaire, on a eu leur collaboration tout au long du week-end. On a eu des jeunes aussi qui ont voulu s'impliquer. Ça fait toujours du bien de voir des jeunes s'impliquer dans le hockey. Ça leur a donné un petit un avant-goût de ce qu'ils attendaient dans peut-être 4, 5, 6 ans. Oui, justement, ici, au complexe, c'est à même l'école de Triolet. Il y a effectivement une structure 3A là, où les jeunes commencent dans cette structure-là. Donc, c'est un environnement qui est vraiment très, très, très favorable. Et avec un beau centre, avec deux patinoires, la restauration tout près. Donc, c'est un beau centre pour ça. Ah, tout à fait. Puis les équipes du nouveau collégien, ils ont vraiment apprécié. L'année passée, c'est pour ça qu'ils ont voulu revenir cette année. Il n'y avait rien de mal à dire. Ils s'étaient dit, si l'année passée, on peut avoir un bel événement puis l'organiser à la dernière minute, mais imaginez ce qu'on peut faire si on a le temps puis les ressources pour le faire comme il faut. Donc, un grand succès. On est super contents. J'ai bien hâte à la prochaine réunion qu'on a avec toutes nos équipes pour faire le décompte de la fin de semaine. Je pense qu'on va avoir juste des bons signes et juste des bons commentaires. Oui, puis en plus, c'est intéressant. Regarde, il y a Patrick qui fait le match avec moi, Patrick Lapointe, qui est l'entraîneur de l'équipe de l'ETS, les Piranhas, qui vont jouer, eux, dans la Ligue universitaire Division 2. Oui. Alors, on est en train, justement, au niveau provincial, d'installer une ligne comme ça qui va amener des joueurs de 20 ans et ceux qui sont d'âge universitaire à poursuivre dans le hockey de haut niveau. Tout ça est en train de s'attacher ensemble et une vitrine supplémentaire, justement, pour le hockey collégial et justement de regrouper tout le monde. Même les arbitres en ont profité. Là. Oui. On voit là, dans la partie précédente, il y a un juge de ligne qui a fait un appel, puis il a fallu prendre la reprise vidéo pour démontrer qu'il avait raison. Et donc, c'est vraiment un showcase où on peut profiter autant au niveau de l'arbitrage, des équipes, les équipes également qui se côtoient, qui sont capables de se voir les unes les autres, se comparer. Ça a plein de belles qualités. Là. Mais exactement, tu sais, c'est côté arbitrage, ça fait chaud au cœur de voir que c'est pas juste notre fédération provinciale, mais aussi la fédération nationale. Oui, oui, c'est eux qui étaient là en fin de semaine. Exactement. Oui. Ça faisait du bien de les voir et de dire hey, on a choisi votre événement pour développer nos prospects, nos tops, notre élite pour les championnats canadiens. Il faut le spécifier. Cool. On est venu là, puis les officiels, c'est des officiels qu'on amène au niveau national. Là. C'est exact. Pas seulement junior majeur ou collégial, c'est au-dessus de ça. Là. Exact. C'est vraiment l'élite nationale. Je dirais que c'était vraiment une fin de semaine de perfectionnement pour eux autres, un petit peu de mise à point sur tout ce qui est règlement. Ils ont eu des tests physiques. Vraiment, le complexe était idéal pour eux, mais surtout le niveau de jeu aussi. Oui. C'est une belle opportunité pour eux pour se tester, se faire évaluer, puis apporter des correctifs, quel que soit les correctifs à faire. Mais comme je dis, c'est vraiment plaisant de voir qu'on a le support de la Fédé nationale et provinciale pour organiser des événements comme ça. Puis on a eu les ai croisés à quelques reprises pendant la fin de semaine qui étaient super impressionnés du calibre de jeu, étaient super impressionnés sur l'organisation de l'événement, l'organisation de nos équipes sportives, de nos équipes, les 13 équipes. Ils disent super bien organisé, c'est structuré, c'est du beau hockey. Je serais pas surpris s'ils vont leur venir pour les prochaines éditions. Ça serait plutôt surprenant qu'ils reviennent pas. Exact. Oui. Et il y a également aussi, en fin de semaine, on a vu plusieurs personnes s'amener. Du côté du RSEQ, Stéphane Auger était là hier et est venu nous saluer. Et aujourd'hui, même hier soir, il y a Dave Leclerc qui était là, qui est un des premiers du côté de Hockey Québec. Jocelyn Thibault est venu faire un tour cet après-midi. Et ça aussi, c'est de bon augure où on est en train d'essayer, du côté de l'organisation provinciale, essayer de regrouper un peu tout le monde et puis d'essayer d'avoir une ligne directrice où tout le monde va mieux cohabiter plutôt que d'avoir des solitudes. Et puis ça, parce qu'il faut, trouver le moyen de faire un maillage et de mieux cohabiter le hockey scolaire, le hockey civil, le hockey également des structures pour justement là, avoir une meilleure offre de services, être mieux concerté. Puis après ça, offrir différentes options. Mais pas le faire en compétition, mais de le faire de façon concertée. Là. Puis ça, de voir la présence de tous ces gens-là en fin de semaine, ça aussi, c'est un succès. Ah, tout à fait. Puis Jocelyn,
selon moi, fait un travail exceptionnel à la fédération. Pour ceux qui ne savent pas, on a déménagé à littéralement 20 mètres nos bureaux. Oui, c'est ça, vous êtes sur le même plancher. Ouais. Fait qu'on se côtoie dans la cafétéria, dans les ascenseurs, un petit peu partout. Donc déjà là, il y a une proximité qu'on n'avait pas avant. Puis tu sais, on apprécie vraiment de travailler avec eux de plus en plus. Il y a vraiment le message de collaboration au lieu de compétition, comme ben tu dis. Puis c'est ça. Puis il y a cette proximité-là avec, par-dessus le marché, une certaine volonté politique. Et les planètes s'alignent. Oui. Oui. Puis tu sais, comme tu as dit, on est très content de voir Dave puis aussi Marc Maisonneuve qui s'occupe de... Oui, bien, il était là toute la fin de semaine. Ben oui. Donc, non, ça fait chaud au cœur de les voir nous supporter dans des événements comme celui-ci, que c'est nos événements qu'on espère vont devenir nos événements marquis pour les années à venir. Donc, on est vraiment content qu'ils soient venus. Ben, écoute, Philippe, on va prendre les quelques minutes qui restent avec Patrick pour voir les filets qui ont été marqués, les faits saillants. Merci beaucoup pour ton implication. Ça a été, pour nous, toute l'équipe, il y avait des gens également sur l'autre patinoire là, avec Samuel, entre autres, qui a fait la description des matchs de l'autre côté. Les caméramans, là, on en a eu quatre. On avait aussi qui étaient en backup parce qu'il y a encore une vague de COVID. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Michael, qui a passé le fin de semaine avec nous. Merci, Michael. Oui, toute l'équipe, tout le monde qui était alentour, puis évidemment, la RSEQ, la direction. Puis toutes les équipes qui ont bien collaboré, tous les entraîneurs sont venus nous rencontrer, ont parlé de leur programme, de leur qualité distinctive. Ça a été bien intéressant. Et espérons que ce sera un petit coup de pouce pour tout le monde pour la progression de la Ligue. Tout à fait. Puis encore une fois, merci beaucoup. Puis bonne troisième période. À 3-3, on a un spectacle, c'est le fun. Tout à fait. Ouais, exact. Oui. Merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup. Oui. Alors, je reviens avec Patrick dans quelques secondes. Et on va revenir avec les faits saillants. Vite fait pour regarder un peu ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le troisième but qui a été marqué. Ça donnait l'avance au Cougar. Ben, c'est ici que la fameuse rondelle qui va coller là. Ben, c'est Veilleux qui s'amène, la rondelle qui est là au centre. Et on voit qu'il pousse la rondelle devant lui. Oui, regarde, la rondelle reste collée. Et là, ben, Veilleux lui-même surpris. C'est seulement qu'il sera le premier sur la rondelle. On va réussir à faire bouger le gardien. Et là, on voit le avait réussi à créer l'ouverture, mais c'est en pivotant sur lui-même. Le gardien est un peu malchanceux, là. C'est quelque chose qu'on répète à chaque début de période. Les joueurs ont tendance à penser qu'on radote, qu'il faut, faut être solide sur notre rondelle en début de période parce qu'elle peut coller. Puis ça arrive une fois de temps en temps. Et maintenant, après ça, il y a les Cougars qui ont pris les devants par deux buts. Et ça va être la transversale. On amène la rondelle dans le coin. Et on va voir l'ouverture, là, la diagonale qui va ouvrir. Ça va revenir à la ligne bleue. Et on revient. Donc, on fait feinte. C'est la fin de tir de Poirier qui a complètement menotté la défensive avant de glisser la rondelle de l'autre côté pour le lancer sur réception. Et après ça, il y a eu les deux filets. Et là, on devra cesser notre petit séjour dans le passé puisque les officiels, parfois, nous enlèvent un petit peu de temps, mais ils viennent de le faire encore. Et là que la rondelle colle. Oui, c'est ça. Yarjo remet vers l'intérieur pour Veilleux. Rondelle qui va aller dans le long de la rampe opposée. C'est Poirier qui va reprendre. On est le long de la rampe avec Sirois. Je me recule un peu pour... non, c'est beau. Je te laissais de la place pour voir. Parce que je travaille bien fort. Je travaille très, très fort sur ma transparence. Mais il me reste encore un petit peu de travail. On ira de l'autre côté, là, Yarjo qui pivote. Une rondelle qui a semblé coller encore. Oui, ça l'a empêché Yarjo de déborder le défenseur.
La pointe maintenant qui remet lui derrière du côté de Roberge. Roberge au centre. Ben, je crois que a cru que son coéquipier embarquait sur la patinoire, mais dans les faits, est en train de quitter la glace. Un retir qui s'est rendu jusqu'à Fisk. Et on va reprendre à sa gauche. Ben, écoute, au niveau des tirs au but, Patrick, c'est du simple au double. Hein? Oui. 28 d'un côté, 14 de l'autre. C'est au tableau indicateur que c'est pas le... Ben, la statistique la plus importante, on l'inscrit en rouge. Hein? Ouais, puis celle-là, ben, c'est 3-3. Les Nordiques qui ont été opportunistes dans leur chance de marquer, mais d'excellents tirs. Et on peut dire qu'ils ont été opportunistes, mais en même temps, ben, les chances qu'ils ont eues, ils ont prises. Ils ont provoqué. Et on venait de dire, juste avant qu'ils marquent les deux buts, on venait de dire qu'il y avait à peu près pas de neige dans le territoire en offensive. Les Cougars qui avaient passé le clair de leur temps en territoire offensif, mais les Nordiques qui en ont profité tout de même pour aller inscrire deux buts et créer l'égalité. Rondel qui va aller jusqu'à la ligne bleue. C'est ramené en territoire des Nordiques. Là, vers l'intérieur, on a vu là, un bon bâton de l'Escarbot. On a tenté de surprendre le gardien de derrière en glissant la rondelle là, pour qu'elle dévie derrière lui. Et l'Escarbot, lui, avait bien mis le bâton à plat, mais c'est allé passer entre son gant et le manche du bâton. Là. La pointe, il va d'un tir, ça a été dévié par Zakozermi. Et on voit Zakozermi qui s'en veut un peu. La lame de son bâton est inclinée vers le haut. Bâton plus droit, la rondelle déviée vers le filet. Oui. Elle a programmé une bonne coordination, ben, main-œil, de dévier une rondelle, un tir frappé comme ça dans le milieu de l'enclave. Oui, mais Zakozermi, la façon dont il a tenu son bâton, là, avait raison de. On l'a vu non-verbal, là, regarder au ciel. Il n'a pas essayé de frapper la rondelle, vraiment juste comme un bunt. Et, ça demande... Normalement, quand un joueur tient son bâton comme ça, c'est qu'il a confiance en ses moyens pour la faire dévier. Oui. Puis... Fait que... Il sait parfaitement, je crois, sur la séquence, que c'était la position de son bâton qui n'était pas bonne. Alors, rondelle qui sera déposée, qui est allée dans le filet protecteur, sera déposée à la gauche du gardien d'Escarbot. Au cercle de mise en jeu, c'est Babin qui est face à Clément. C'est Babin qui aura le meilleur. Chicoine est frappé là, derrière son but par Hogg. Hogg s'est amené rapidement sur lui. Bon travail de Babin qui est revenu en maraude derrière, joueur de centre. Et puis, on vient menacer à deux reprises. Rondelle qui va aller dans le coin opposé. Et ça, ben, c'est parti là, du coin en territoire défensif. Un bon jeu de Babin là-dessus qui est venu derrière pour récupérer la rondelle derrière tout le monde plutôt que de tricher puis d'attaquer trop vite. La gare, ça a donné une chance de marquer. À nouveau, du revers, on vient défier Fisk. Rondelle maintenant qui est captée par Valsin, qui pivote sur lui-même. Ça va aller le long de la rampe, Théoré. Et là, ben, on vient frapper l'opposant. Théoré qui travaille derrière le filet. Protège la rondelle et finalement, ben, du patin, c'est Poirier qui arrive à récupérer le disque. Il va d'une petite séance de va-et-vient. Il fait circuler Brassard avec lui. On arrive à ramener ça du côté de Dalpé. Et finalement, ben, son coéquipier lui pousse plus loin, mais relance très rapide là, du côté des Nordiques. Les Nordiques qui... ont un bon début de période. Un très bon début de période, un meilleur rythme que ce qu'on a vu en deuxième période. Possiblement que il y a Charles Dupéry qui a... Possiblement, c'est correct, là, vous pouvez aller en troisième vitesse. La deuxième, là, les gears sont brûlés. On peut laisser le restant de l'énergie ici. Oui, c'est ça. Attention, ça revient vers l'intérieur. Un rebond favorable pour Veilleux. Veilleux qui travaille en fond de territoire, pivote sur lui-même, est amené le long de la rampe et récupéré par Théoré. On utilise la rampe pour amener le disque à Thériault. Thériault qui va d'un petit S, mais on a étiré la jambe. Hogg a réussi à ne pas le devancer. Là, vers l'intérieur, c'est ouvert, on revient. Et Fisk fait l'arrêt. Encore une fois, là, c'est Leduc qui a réussi à se démarquer. On a réussi à déplacer la défensive et créer l'ouverture pour Leduc. Fisk a fait un arrêt là, qui est important pour les Cougars. Daniel Gros qui est plus rapide à créer des doublages offensifs que les Cougars en début de période. Là-dessus, on a eu une immobilisation là, puis on est venu supporter notre partenaire dans le coin. Hop, avantage numérique.
Ah oui, donc sur la séquence. Le petit coup sur le gardien après qui a mis la main dessus. Donc, on va amener au condo privé de la Ligue Nicolas Hogg. Donc, on aura droit à un petit séjour de 2 minutes, toutes dépenses payées, logées, nourries, meublées, siège VIP. Ils vont regarder les 2 prochaines minutes. Poirier. Je mets du côté de Clément à Poirier, en haut de territoire. De l'autre côté, maintenant pour Yargeau. À Veilleux dans le coin. On fait pression sur lui. Demers s'est amené sur lui. Et Veilleux bataille. On utilise la rampe pour amener à Poirier. Poirier qui a regardé du côté droit, décide de ramener à Yargeau. Le long du poteau, maintenant pour Veilleux. Bon bâton en défensive là-dessus. C'est Hogg. Non, c'est pas Hogg, c'est plutôt Demers qui a bien placé la lame de son bâton, fait dévier dans le filet protecteur. Nalgro qui joue très compact, empêche les passes à travers, puis il sort pas à l'extérieur des points de mise en jeu. Capitaine Veilleux qui est à nouveau au cercle de mise en jeu. C'est gagné par Lionel Groux, mais c'est amené beaucoup trop loin. C'est Clément qui va reprendre. Poirier, on est en parapluie. Poirier qui cherche la ligne de tir, c'est fait. Tire trop haut, Yargeau va reprendre le long de la rampe opposée. Place le disque vers Veilleux. Veilleux dans le coin, à la ligne bleue pour Yargeau. Permutation avec Poirier. Yargeau, il va d'un tir. C'est dévié en défensive et on récupère rapidement le disque du côté des Cougars. Poirier. Et là, un tir sur réception d'Yargeau. Hors cible, récupéré par Clément. On tente de revenir côté rapproché. C'est repris par Poirier. Transversal. C'était pour Clément. Finalement, ben, disque qui a été intercepté par Cyr qui complète le dégagement. On va pouvoir amener des forces fraîches du côté des Nordiques. Deuxième vague également du côté des Cougars. Il reste 40 secondes à l'avantage numérique. On a réussi à s'installer, mais on n'a pas réussi à amener de tir dangereux sur le filet. La zone privilégiée. Interception, ça va revenir derrière vers Roberge qui amène le disque. Clément, vers l'intérieur, Azakozermi. Et là, ben, ça, c'est un bon bâton du gardien. Granger qui était fin seul de l'autre côté, mais c'est le gardien lui-même qui a aidé sa cause en faisant dévier la rondelle. Oui. La pointe, remet-lui de l'autre côté à Roberge et on reviendra corridor droit vers Sirois, rondelle qui va glisser faiblement jusqu'au gardien l'Escarbeau. Et on va reprendre à sa gauche, encore 3 secondes. Temps d'une mise en jeu, peut-être une dernière attaque, Patrick? On va prendre la mise en jeu, oui. Est-ce qu'on va ramener Veilleux? Veilleux qui avait très bien réussi, on s'en rappellera, une mise en jeu critique à 5 contre 3. Avait réussi à libérer son territoire. Bien, on fait confiance à Zakozermi. Zakozermi qui est excellent également au cercle de mise en jeu. Ça peut être dangereux si on parle à la mise en jeu parce que le gars va être en train de sortir en même temps. Oui, et finalement, ben, c'est récupéré par Poirier en territoire central. On s'amène vers Granger maintenant. Granger qui, lui, ben, a tenté de ramener la rondelle sur son coup droit. Ça a été bloqué en défensive. Théoré maintenant qui s'amène vers l'intérieur. Et là, on a tenté de ramener rapidement. Et encore une fois, Fortin. Et on a vu Fortin déborder trop facilement la défensive des Cougars encore. Là, a réussi à aller s'installer entre le gardien et les défenseurs. On avait parlé de Chiquan du côté des Nordiques un peu plus tôt, là, qui arrivait à bien suivre l'attaquant, là, l'ailier qui chargeait le filet. Bien là, on s'est laissé déborder encore une fois. On n'a pas été en mesure de prendre, prendre possession du bâton, on appelle. Ouais. Bien, en fait, je crois que c'est les yeux du défenseur qui restent vraiment visibles sur la rondelle et perd de vue un peu le... D'avoir la tête sur un pivot. Oui. Perd de vue l'opposant qui s'amène, lui, avec vitesse. Long de la rampe, la pointe. Maintenant, pousse plus loin pour Payet. On fait pression sur lui, ça revient derrière. À Yargeau, maintenant. Yargeau, de l'autre côté pour la pointe. Longue passe. Bien, on tentait d'y aller vers Payet. Payet sera là le premier. Jeu qui se poursuit. Deux bâtons qui se touchent. Et là, ben, au vol, on a tenté d'y aller d'un coup de circuit. C'est Yargeau qui tentait de marquer au vol. Longue passe qui s'est rendue jusqu'à Thériault, qui glisse le disque jusqu'à Brassard. On lui barre la route, c'est récupéré à nouveau par Yargeau. Yargeau est partout sur la patinoire. Là. Veilleux. Veilleux, il va d'un tir, retour. Et là, ben, le gardien, l'Escarbeau, qui a cherché momentanément la rondelle. C'est récupéré par le Duc. Glisse le disque du côté de Tacla. Tacla qui est frappé le long de la rampe. Ça va aller dans le coin. C'est récupéré par les Cougars.
disque qui est laissé à Clément. Clément qui tente de se départir de son opposant. On va réussir à lui soutirer le disque. C'est Babin qui est là. Clément va revenir pour le récupérer. Et avec la roche, on récupère le disque. Placement de rondelle en diagonale, en fond de territoire. Dalpé va s'avancer et devancer par Valsin. Rondelle qui revient dans le coin, c'est pour Leduc. Leduc qui tentait d'amener le disque dans une zone froide. Et bien, c'est réussi à deuxième tentative. Un placement de rondelle très intelligent. Dalpé maintenant qui se fait soutirer le disque. Clément ramène tout le monde en fond de territoire. Donc de la rampe, la roche va s'avancer, tente de pousser pour lui-même. Talca va reprendre. Et là, ben une erreur, un tir. Et c'est Talca qui, n'a pas su bien lire la situation de jeu. J'aurais préféré qu'il utilise la rampe pour amener ça entre les deux lignes bleues. Ouais. A tenté d'y aller vers l'intérieur et ça a créé un revirement. On voit d'ailleurs l'entraîneur Charles Dupéré là, qui, je pense qu'il a vu la même chose que nous autres, là, est en train de l'expliquer. Un travail tellement important, le rôle d'un ailier, là, ils ont toujours plus de temps qu'ils pensent. Oui. Payet, il va d'un tir diagonal. C'est plutôt un placement là, qu'on voulait avoir vers Zakwa Zermi. La pointe, il va d'un tir, le retour. Et là, il y avait du trafic. Rondelle qui est apparue à la dernière seconde devant le gardien. Attention, disque sautillon, on s'amène un bon plongeon ici, un bon bâton de la pointe. Et il y aura pénalité. On va retourner en avantage numérique du côté des Cougars. Et là, ben, rondelle qui a été saisie par les Nordiques. Et il y aura pénalité pour avoir cinglé. Donc, les Nordiques qui seront chassés à nouveau. On va amener un autre joueur au condo privé de la Ligue. Petit séjour, toutes dépenses payées, logées, nourries, meublées. Et c'est Lavoie qui va s'amener, va profiter du siège VIP pour regarder les deux prochaines minutes de jeu. Les Cougars veilleux au cercle de mise en jeu. Et veilleux, là, gagne son duel encore une fois. Poirier va récupérer à la ligne bleue. Poirier, il va d'un tir. C'est hors cible. Yargeau va s'avancer. Et Poirier, et là, ben, Poirier très bien placé. Mais est-ce qu'il y aura obstruction? Non. Chanceux. C'est à limite. Oui. Et là, on amène de l'autre côté Brassard qui s'est avancé. Il était à 2-1. Et donc, s'il y avait eu appel, je ne suis pas certain qu'il y en a que ce serait plein. C'était. On a joué avec l'élastique. Bon, attention, 2-0, Théoret de l'autre côté. Et là, ben Brassard qui rate sa chance. Le jeu à haut pourcentage, c'est le tir là-dessus. Oui, il aurait dû mettre la rondelle sur le filet. Rondelle vers Nathan Veilleux. Veilleux qui place le tir, tente de placer la rondelle en fond de territoire. Mais là, à venir jusqu'à maintenant, avantage numérique qui est... À l'avantage de Lionel Gros. Oui, donc c'est l'attaque à 4. Oui. Deuxième vague, alors on tentera de faire mieux. On dit que dans le bas d'une échelle, la seule direction, c'est en montant. Oui. Alors, je pense qu'on avait le pied sur la dernière marche. On joue le mollesse depuis le début de la période. On exécutait mieux en première et en deuxième période. Ben, les Nordiques sont arrivés avec un meilleur rythme au début de la troisième également. Là. Parce que des fois, c'est facile de critiquer une équipe. Il ne faut pas oublier une chose. L'autre, il joue aussi. Là. Exact. Et parce que les Nordiques ont vraiment eu une mauvaise deuxième période. Ils sont chanceux de se retirer, de retraiter au vestiaire 3-3. 3-3, ça c'est sûr. Mais là, la troisième période, là, les Nordiques sont dans le match. Là. La pointe ira de l'autre côté à la faveur de Roberge. Roberge, sur qui on fait pression, c'est Théoret qui s'est amené sur lui vers l'intérieur avec Granger. Granger, il va d'un tir. Bon jeu de Demers. Qui est venu bloquer la chance de tir que voulait se donner Granger. La pointe maintenant, encore 3 secondes, on va revenir à force égale vers l'intérieur. C'était bien essayé, la transversale. Il y avait 2 joueurs directement dans l'enclair. Dangereux. Attention, 2-1, et on a devancé le porteur du disque, Thériault et Brassard, qui étaient tout près de la ligne bleue opposée. Les officiels, les juges de ligne ce soir et dans le match de 20 également, là, on a de bons officiels ce soir. Ils sont, j'en reconnais un de la région de Richelieu, de mon coin de pays. Les enjeux qui seront récupérés par les Nordiques. Hogg qui glisse le disque de l'autre côté, c'est pour Lebeau. Placement de rondelle en territoire des Cougars. Tremblay va reprendre. Tremblay qui regarde du côté de Yargeau, c'est fait dévier vers La Roche. La Roche, belle trajectoire là, pour venir récupérer cette rondelle. La Roche qui, normalement, comme je te disais, est employée à la défense, donc a vraiment bien suivi le jeu.
pour venir récupérer cette rondelle, la sortie de zone rapide. La rondelle qui va vers le gardien. Rondelle qui avait des yeux, on dirait qu'il avait des petites batteries de 12 volts et ça tournait vers... Le repli était efficace. Bien, efficace, on était 4 contre 2 de Lionel Groulx, mais la rondelle a sorti derrière un joueur de Lionel Groulx quand même. 9 minutes, 1 seconde. 31 tirs par les Cougars, 18 par les Nordiques, mais en troisième période, on n'a pas le choix de donner quand même l'avantage du côté des Nordiques qui ont réussi jusqu'à maintenant à imposer davantage le rythme. Leur entrée de zone ont plus de vitesse en troisième période versus ceux des Cougars qui ont eu 4 à 5 revirements là, en entrée de zone qui ont failli coûter des buts. Et là où on devra faire attention du côté des Cougars, c'est que lorsqu'on s'amène avec vitesse, on a tendance des fois à laisser le joueur adverse aller se placer derrière la défensive. Donc on devra amener les yeux un petit peu plus vers les joueurs qui s'amènent sur soi plutôt que de garder les yeux avec comme une vache dans un couloir là, où on regarde la rondelle, on voit pas trop ce qui se passe alentour. Donc, et là, attention, on perce la défensive. Bon jeu ici en défensive des Nordiques. On s'est rabattu sur le joueur des Cougars qui tentait de s'amener vers le gardien. Rondelle maintenant qui est amenée derrière vers Roberge à la pointe qui ramène le disque en territoire neutre. Un coup de golf de Veilleux. Et derrière, ben, c'est ici qui sera là le premier. Ramène ça à contre-courant. Relance de Bourque. Bourque qui freine. La pointe qui va reprendre. Transversale, on arrive dans le centre de la patinoire. On ira corridor gauche et on reviendra corridor droit. Bonne patience avec la rondelle. La pointe, placement de rondelle en fond de territoire. Le gardien qui va venir intercepter le disque. Ça reviendra dans le coin. Et ramener maintenant vers l'intérieur. Longue passe au centre, c'était à la faveur de Brassard qui n'est pas arrivé à maîtriser le disque. C'est allé faiblement jusqu'au gardien. Et on va reprendre à la gauche de Xavier Fisk. Écoute, les patinoires ont à peu près autant de neige une que l'autre, mais présentement, le rythme, c'est encore une fois les Nordiques qui l'imposent. Et on devra du côté... Les Cougars, depuis le début de la saison, normalement, qui prennent... totalement possession de la troisième période. Mais tu l'as mentionné plus tôt dans le reportage, Patrick, avec grande justesse, on verra avec le nombre de joueurs au banc des Cougars s'ils pourront tenir la route. Là. Exact. Le nombre d'absents qui est quand même des joueurs de qualité. Des joueurs de premier plan. Le Gendron, Fortin et Paillé étaient un trio qui était dominant depuis quelques semaines. Et là, Gendron et Fortin sont sur le carreau. Il reste Paillé. Et trio de vétérans, dont Bernier et Lélier et de tous les jeux pratiquement. Mais Bernier n'est pas là ce soir, donc on vient d'enlever plusieurs points sur la feuille de pointage. Mais les joueurs qui sont là relèvent quand même très bien le défi ce soir. Là. Et là, vers l'intérieur, on a réussi à capter cette rondelle, c'est Brassard. On va venir saisir derrière Chicoine, le capitaine, qui vient prendre la rondelle. Par la rampe jusqu'à Théoret. On remet rapidement vers l'intérieur. Thériault maintenant qui s'amène vers l'intérieur à Brassard. Bon Brassard, bâton. Un bon bâton, oui. Tremblay, là, qui mesure 6 pieds 5 ou 6 pieds 6, là, a eu qu'à attendre le bâton. Il réussit à toucher à la rondelle. Zakozermi maintenant qui s'amène. Corridor droit pour Granger. Granger tente d'y aller pour lui-même. Et là, il y aura pénalité. Le capitaine Chicoine qui... a vu Granger tenter de le déborder. Et Granger, ça, c'est un joueur de petite taille, trapu, peut donner d'excellentes mises en échec. Et en termes de force d'accélération, là, un des meilleurs de la Ligue. Est-ce que c'est ce qui donne la punition? Si tu ne menaces pas les arrières, c'est sûr qu'ils ne se sentent pas compromis. Mais... Alors, le capitaine Jacob Chicoine, qui connaît un très bon match pour les Nordiques, est amené au banc des pénalités. Puis ça, ça peut être un événement marquant pour l'issue du match parce que Chicoine, lorsqu'il est au banc des pénalités, ne peut pas en même temps jouer en désavantage numérique. Ouais, il est excellent en désavantage. Alors, on s'amène au cercle de mise en jeu. Fortin devant Veilleux. Veilleux aura le meilleur, mais un plongeon de Fortin qui dégage son territoire. Ce sera récupéré loin derrière par Yargeau. Qui se met immédiatement en marche. Yargeau glisse la rondelle du côté de Clément. Clément, transversal, c'est intercepté. Paillé tente de revenir prendre le disque, mais on a pris la décision la plus compliquée.
On va reprendre. Poirier. Poirier qui dirige le disque vers Clément. Clément, longue passe vers Veilleux. Veilleux qui va placer la rondelle en fond de territoire et on va tenter de s'installer là. Par la baie vitrée, Veilleux qui intercepte. On est dans le coin et on s'échange la rondelle. On est en train de s'installer. Poirier. Remet du côté de Clément. Poirier à nouveau. Veilleux s'installe pour un tir sur réception. On revient du côté de Clément. Veilleux, un tir. Ça revient vers Clément. Permutation avec Poirier. Un tir. C'est bloqué. Là. Le gardien qui fait l'arrêt avec le bloqueur fait dévier dans le coin. Veilleux tente de reprendre. Et là, ben, on bloque la rondelle. Théorel qui arrive à protéger le disque le long de la rampe. Se promène légèrement avec. On se met à quatre pour tenter de lui soutirer. Et ben, étonnant, c'est finalement ben, c'est Payé qui arrive à récupérer. Et on remet de l'autre côté. Poirier qui s'avance et frappé. Est-ce qu'on va réussir à dégager? Non, ça revient là, dans le coin. Et c'est Poirier qui s'est avancé pour appuyer l'attaque. Il contourne le filet. Poirier laisse pour Veilleux. Transversal, attention Clément, il y a ouverture. Retire, le retour. Et on vient chasser Jacques Hermy de devant le filet. Un gardien qui n'a pas laissé de retour. Et encore une fois, le long de la rampe, là, Patrick, il faut remarquer le travail et l'intelligence de Payet. Comment il a utilisé son corps pour protéger la rondelle et sortir de là et se donner une opportunité. Oui. Jacques Hermy qui va aller prendre la mise en jeu. On vient avec une deuxième vague. Donc avec Roberge, Lapointe. Et là, ben, une deuxième vague où on devrait s'attendre. Et là, un tir, c'est hors cible. On avait réussi à récupérer la rondelle au centre maintenant, vers Roberge. La pointe qui va d'un tir. Une deuxième vague avec les joueurs qui sont là où on devrait normalement, Patrick, voir plus de rondelles au filet et charger le filet pour prendre les retours. Retour. Oui. 5-5. Granger, pénalité terminée. On est à 4 le long de la rampe. Finalement, ben, celui qui va hériter de la rondelle, c'est Valsin. Valsin par la rampe. Ça ira jusqu'à Roberge. Roberge au centre pour Clément. À Sirois maintenant. Sirois revient vers l'intérieur. Sirois, un tir. Le retour. Et c'est libéré devant l'enclave par la défensive des Nordiques. On revient à nouveau le long de la rampe à 4. On revient au centre du territoire maintenant. Brassard qui va d'un tir de loin. Fisk fait dévier dans la baie vitrée. La pointe qui protège le disque. Veilleux s'en vient pour la récupérer. Mais Thériault, lui, voit la rondelle le suivre. Et on revient vers l'intérieur. Payet. Bon jeu de Payet ici. Qui vient soulever le bâton de tir. Et vient enlever la menace qu'on amenait encore une fois en plein centre du territoire. Incroyable le nombre de rondelles qui a volé ce soir. Yargeau maintenant au vol. C'est repris. Le Duc, attention transversale. Et on s'amène rapidement en territoire des Cougars. Là. Le Duc qui va d'un tir. C'est en cible. Ça revient devant. Et finalement, ben, ça sera repris dans le coin par Hogg. Hogg pivote sur lui-même. On tente de revenir dans l'enclave. Bon jeu en défensive de Poirier. Poirier qui récupère. Tente de protéger le disque. Et finalement, ben, Yargeau va recevoir la rondelle avec l'aide de son coéquipier. Je crois que c'est peut-être Tremblay là, qui a aidé Poirier à amener ça du côté droit. Hogg, par la rampe, remet le disque du côté de Fortin qui s'amène en territoire offensif. Derrière lui, là, on porte appui, mais on décide de revenir de l'arrière. C'est Demers. Sirois qui fait dévier vers Zakozermi. La pointe qui vient appuyer l'attaque, vient reprendre le disque. Une feinte. La pointe remet vers l'intérieur. Et maintenant, un tir hors cible. On avait réussi à rejoindre Sirois directement dans l'enclave. Moins de 3 minutes à faire maintenant. C'est toujours 3-3. Fortin revient vers l'intérieur. Fortin s'amène et disque sautillant. Belle réaction de Fortin. Il ramène ça derrière pour garder le contrôle du disque. La pointe maintenant, lors de la rampe. On revient vers l'intérieur à Théoré. Partie supérieure, ça rate la cible. On revient en territoire neutre. Lebeau qui reprend. Un tir qui se rend jusqu'à... Et là, rondelle qui aurait pu faire un mauvais rebond. Oui, elle a fait un bond juste avant lui. Rondelle qui est à nouveau ramenée à Lebeau en territoire neutre. À nouveau, un tir de loin. Fisk conserve le disque. Et on va reprendre à sa droite. Bien, écoute, 2-15, pas impossible qu'on aille en prolongation. Hein? Non, pas impossible. Tout à l'heure, lors du match Alma-Outaouais, à moins d'une minute de la fin, c'était 0-0. Et on est allé en prolongation à 1-1.
Donc, il y a deux buts qui ont été marqués un de chaque côté dans la dernière minute de jeu. Alma qui s'est sauvé avec la victoire en prolongation. Alors, il y a un joueur qui a chuté. Et c'est Fortin qui avait chuté. Je crois qu'on a eu peur à la blessure. On amène la rondelle à l'extérieur du territoire. Le Duc perd son duel contre le capitaine Veilleux. Attention, Laroche fait soulever la rondelle pour lui-même. Veilleux vient reprendre derrière. Placement de rondelle en fond de territoire. Ça force la sortie du gardien, l'escarbot. On viendra le long de la rampe. Veilleux, immédiatement vers le centre, avait très bien vu Dalpé et Laroche qui était devant le filet. On tente à nouveau de ramener la rondelle devant le filet, mais on voit là, les Nordiques, Patrick, très, très, très conscients de leur défensive. On s'en vient geler le devant du filet. Là. La chance de marquer a été provoquée quand même par un bon échec avant des Cougars à deux là, qui a forcé les Daniel Gros là, à faire ce qu'on appelle une passe par la bande. Veilleux était là pour couper le jeu. Alors, on va reprendre à la droite du gardien Elliott Lescarbot. Clément au cercle de mise en jeu pousse un peu plus loin pour Yargeau qui saisit le disque. On remet à la pointe en diagonale. Et c'est une belle glissade de Thériault qui vient bloquer le tir. Les deux formations, sans doute, qui n'hésiteront pas à se coucher puis oui, à prendre les tirs pour aller chercher au moins un point. Théoré maintenant qui reprend diagonale à la faveur de Thériault qui va saisir. Remet à Noël derrière. Noël, bâton brisé. Attention, 3 contre 2, un bâton brisé. On revient Dalpé. Un tir hors cible. Bon tir de Dalpé, malheureusement, qui n'était pas cadré. Rondelle qui est récupéré maintenant par Yargeau. Passe soulevée. Remet, lui, à Roberge. Moins d'une minute maintenant, Patrick. Oui. Clément va s'amener au banc. On amène Granger dans la mêlée. Et là, une feinte de la pointe. Glisse la rondelle vers Granger. Placement de rondelle en fond de territoire. C'est Lebeau qui va venir le saisir. Lebeau se met en marche. Lebeau, territoire central, remet vers l'intérieur. C'est à la faveur de Lavoie. Lavoie qui est amenée le long de la rampe. Placement de rondelle en fond de territoire. Poirier n'hésite pas à lui placer la rondelle le long de la rampe, mais c'est repris par Valsin. Valsin maintenant dans le coin, derrière le filet maintenant. Et on tente de ramener ça devant. Poirier qui tente de protéger le disque, mais à deux, on vient reprendre. C'est Fortin vers l'intérieur. Et là, ben, une chance de marquer. À 10 secondes, la fin. Oui. Rondelle qui est allée sur le bâton de Hogg. Ça revient maintenant à Poirier dans le coin. Ce sera repris par Fortin. Et à 1,7 secondes, est-ce que c'est le filet qui a été déplacé? Oui. Donc, on aura droit à une mise en jeu, je crois, en territoire des Cougars, si j'ai bien vu. Oui. Et avec 2 secondes à faire, c'est amplement de temps pour avoir un tir de qualité. Ça dépend encore une fois de la mise en jeu. 34 tirs par les Cougars, 19 par les Nordiques. On tentait d'y aller directement devant le filet et c'est là-dessus que ça va se terminer. Ben, Patrick, on a droit à une prolongation. 13 matchs depuis vendredi soir et ça va se terminer avec une prolongation. Ben, si on avait écrit le scénario, c'est pas mal ça qu'on aurait écrit. Oui. Et là, ben, ça va être intéressant parce qu'il y a de très bons patineurs des deux côtés. À 3 contre 3, c'est toujours spectaculaire. Les gardiens également, 2 très bons gardiens. Donc, ils pourraient eux aussi donner un bon spectacle. Un bon spectacle. Donc, toujours très spectaculaire de voir un match terminer de la sorte. Alors, encore 1 minute 24. Et ben, on prend en profiter, Patrick. On a une petite minute pour aller voir justement là, les deux buts qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure. Donc, le deuxième but des Nordiques. On s'amène en territoire offensif. On voit sur l'entrée de zone qu'on avait 2 joueurs à l'extérieur de la petite patinoire, un défenseur et un avant. Là, un tir qui était très précis. Là. Ça a ouvert une brèche. Oui. C'est revenu le long de la rampe. Là.
juste ici, là, on a celui qui se replie. L'arrière a dû rester à l'intérieur des points. Il est là présentement, mais là, il va sortir en même temps. T'as deux gars à l'extérieur de la grande plateforme. Juste ici, parce qu'en réalité, il n'y a pas de surnombre. Exact. La rondelle va revenir à la hauteur de la limite. Tout le monde recule. Et là, ben, il y a encore un troisième joueur. Il n'y a toujours pas de surnombre. Non. Et on va reprendre à l'arrière. Mais là, tout le monde était déporté à droite. Ça permet justement aux joueurs des Nordiques de revenir vers l'intérieur. Un tir qui sera... Là, on voit tout le monde est en ligne. Les bras sont bien dégagés. Et un tir qui sera dans la partie supérieure. Très bon tir. Hein. Probablement que le gardien n'a même pas vu quand son gars... Je pense que c'est la pointe qui était devant lui qui tentait de bloquer le tir. Et on ne pourra pas revoir le dernier tir. On va se ramener directement sur la patinoire parce que... On s'entend que la prolongation à 3 contre 3, elle, on ne veut pas la manquer. Non, ça peut être rapide. Ça peut être rapide et ça peut être spectaculaire également. Les enjeux qui est du côté des Nordiques, ça sera récupéré par Thériault. Et là, ben, pour ceux qui ont moins l'habitude de ce genre de jeu-là à 3 contre 3, ben, l'idée, c'est de garder possession de la rondelle. Et lorsqu'on s'en départit, ben, d'avoir une très bonne chance de marquer, quitte à revenir vers l'arrière, là. Thériault remet lui derrière, il y a ouverture. Théoret, transversal. Et on a touché le poteau. Est-ce qu'on a touché le poteau ou l'arrêt? Ah, j'avais l'impression que c'était le bloqueur qui l'avait arrêté. En tout cas, c'était quelque chose de dur. Alors, ça a rebondi. Veilleux maintenant, le capitaine qui va tenter de déborder Thériault, c'est fait. Et on arrive à toucher au bâton de Veilleux. Veilleux qui réussit à protéger le disque, revient vers l'intérieur et finalement, ben, on va lui soutirer la rondelle. Effort individuel et on a réussi à lui soutirer le disque. Fortin maintenant qui va s'amener en territoire offensif. Un tir bloqué par le gardien. Ça reviendra à la ligne bleue, à Hogg. Hogg qui décide lui, de revenir sur ses pas. Et comme je vous le disais, ben, l'idée, c'est de garder possession de la rondelle. Paillé, maintenant, qui s'amène là, en remplacement d'Yargeau. Hogg qui remet vers l'intérieur. Une passe qui est ratée. Longue passe! C'était pour Clément. On avait tenté de ramener Clément là, seul devant le gardien. Ça touche le patin de Hogg et c'est allé sur la lame du bâton de Fortin. Fortin là, qui s'amène. Attention, permutation. Et là, ben, il y a eu une petite confusion entre la pointe et Paillé. Et encore une fois, Paillé va venir saisir le disque. Là. Vers la pointe. La pointe qui se bat un peu avec la rondelle, réussit à la récupérer. S'amène en territoire offensif. La pointe perce la défensive. Un tir! Et un gardien d'Escarbot qui est frappé dans le toutou. On va avoir une mise en jeu à la droite du gardien. Voyons à qui on va confier la mise en jeu, Patrick. Zacho Zermi, bon choix. Et du côté des Nordiques, on peut prendre possession de la rondelle. Évidemment, Théoret s'amène et c'est Zacho Zermi qui a le meilleur, mais on arrive à récupérer la rondelle. Bon travail de Brassard avec Théoret à sa droite, vers Théoret. Zacho Zermi ne l'a pas lâché. Ça reviendra à la ligne bleue. Bourque va reprendre le disque. Tout le monde quitte le territoire et Bourque, sagement, lui, s'éloigne. Attends d'avoir des petits amis, comme on dit. Revient sur ses pas, regarde du côté de Théoret. Brassard est derrière lui. Visse le disque à Théoret. On remet là, en maraude à Brassard qui revenait derrière. Attention, là, on revient un tir. Bon jeu en défensive de Poirier. Maintenant, il y a Sirois là, qui bataille le long de la rampe. On va ramener le disque. Et là, vers l'intérieur, tir sur réception. Bourque. Qui a tenté la manœuvre, rate son tir, et là, ben, Poirier part. Poirier tente de contourner le défenseur, réussit à protéger le disque. Il y a des changements d'appelés par les Cougars. Et Poirier va décider, lui, de revenir à l'arrière. Ça va permettre aux entraîneurs d'effectuer des changements. Yargeau. Yargeau maintenant qui accélère. Yargeau fait feinte de remettre derrière lui. Ça mène vers l'intérieur. Avait fait feinte de redonner à Veilleux derrière lui. Il a figé les pieds du défenseur de la ville. Et Balpin! Et là, contre un ancien marque! Yargeau inscrit le filet qui fait la différence. Les Cougars qui l'emportent à l'arraché. 4-3. Et a passé bien près de perdre le disque. Là. Très habile à garder la rondelle.
Et on va regarder, Patrick, le but qui fait la différence. Il y a Argeau juste ici. Passe très près de perdre la rondelle. Va la récupérer, la ramener vers lui. Il va y aller d'un tir à ras la glace. Je sais pas si on le voit bien, mais il a fait une feinte avec ses yeux de passer, de glisser le disque ouais. à son partenaire à l'autre côté. C'est ce qui a fait que le entre les jambes de s'est ouvert. Là. Eh bien, Patrick, écoute, c'est l'équipe locale qui gagne en prolongation. Ben écoute, on aurait voulu écrire un scénario, ça n'aurait pas été mieux. Hein? Fin de semaine là où ben, toi, tu as été en mesure de rencontrer un paquet de prospects pour la ouais, Ligue universitaire. Je me suis appliqué à rencontrer toutes les équipes là, pour parler de la Ligue universitaire là, qui s'en est. Oui. Alors, ben écoute, plusieurs bons joueurs là, recrutés là-dedans. Ben évidemment, à l'ETS avec un programme qui est davantage axé vers le génie. Oui. Ben espérons que des jeunes qui sont intéressés par la matière. Mais il y avait également des programmes en commerce hein, que tu mentionnais du côté de l'ETS. Ben, c'est ça qu'il faut que je publicise. C'est ouais. qu'il y a certains domaines techniques là, qui peuvent rentrer là, à l'ETS, dont la gestion de commerce, que ça débouche vers l'ingénierie en logistique. Donc, parce que ça peut amener justement, parce qu'on le sait maintenant, du côté technique, il y a plusieurs jobs là, ou plusieurs opportunités de carrière où on demande aux gens de maîtriser la technique pour aller ouais. dans l'administration, dans la gestion, exact. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de domaines maintenant qui sont associés là, aux technologies. Ouais, il y a une pénurie d'ingénieurs, là, donc il y a de l'avenir là-dedans, il y a de l'emploi qui attend ces jeunes-là aussi. Ils joignent à notre école. Bon, ben écoute, en espérant. Bon, notre écran est encore tombé noir. Dès qu'on bouge, on a un contact avec. Hop, tiens, c'est revenu. Bon, c'est. Alors, oui, justement, donc, il y a le génie proprement dit, mais peut-être quelques ouvertures également avec des programmes étendus. Exact. Donc, ça peut certainement intéresser certains jeunes, parce que c'est de beaux plans de carrière également. Puis si on peut poursuivre à jouer du hockey de haut niveau, ben pourquoi pas? C'est clair, c'est clair. Ben, puis la Ligue, hein, on est très content d'offrir ça aux jeunes là, après leur stage au collégial. Patrick? Merci beaucoup. Bonne merci. Chance pour, merci pour la suite. C'est la première description que je faisais. Là. ouais, c'est amusant. Ça va vite. oui, c'est bien le fun. Ben, écoutez, c'est ce qui me termine à ce showcase de la Ligue de hockey collégial Division 1, la Ligue masculine. Ça nous a fait plaisir d'être là toute la fin de semaine pour vous. Probablement que ça va être répété. C'est un succès l'an dernier. C'est encore mieux cette année. Donc, possiblement quelque chose à répéter. Donc, j'étais avec Patrick Lapointe. Mon nom est Rémi Meunier. Ça met un terme à ce week-end. On va vous retrouver là, pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, du côté des Cougars, possiblement. Ben pas possiblement. Il y a un match de séries éliminatoires qui sera du côté du Carterfield. Ben, on sera là. Je ne sais pas encore si c'est samedi après-midi ou samedi soir. Ça dépendait du résultat des Gators et je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc, surveillez ça. Ça sera un bon match de football. Et il y aura du hockey, du football, en tout cas. Et également journée, la Ligue une collégiale. Journée sportive. Ah oui, il y en aura plein. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne semaine à tout le monde. Au plaisir de vous retrouver. Bonne semaine. Ils ont gagné? Ben, en principe, ils devaient gagner. Oui, merci beaucoup Patrick. C'est bon. Allez.